Bonsoir à tous, bienvenue dans cette petite émission en direct, comme presque tous les soirs, parce que de temps en temps il faut que je souffle un peu quand même. J'ai plus 20 ans, mais enfin bon, enfin avec. Ce soir, on a un invité que je vous présente directement, c'est Arnaud. Salut Arnaud. Salut à tous les amis, Bon, bienvenue. Japankoi, toujours existant? Ah oui, bien sûr, Patrick. Voilà, maintenant, évidemment, confinement, comme tout le monde. Donc voilà, avec des mesures et on subit un peu tout ce qui se passe, un peu comme tout le monde. Mais toujours existant, toujours au poste et on est là. Ouais, ben exactement, ouais, comme tout le monde, hein, je veux dire, comme moi aussi, je suis là, fidèle au poste, pour essayer de répondre à vos questions, bassin bien entendu. Hein, et puis, bon, ben voilà, les premières questions commencent déjà avec Jérémy. Alors, bonsoir Patrick, hier, Japanco a fait une vidéo avec les bactéries biota. Où les mettre, en début ou en fin de filtration, ou moitié filtration, moitié dans le bassin? Bon, moi, je les mets toujours dans le filtre, biota. Donc, je mets tout en début de filtration. Après, vous pouvez mettre une partie aussi dans le bassin. Ça apporte peu, mais c'est mieux en tout cas de mettre la majeure partie dans le filtre, puisque c'est là que les bactéries vont s'accrocher. Par contre, ce qui est important, Jérémy, si tu as suivi le live hier, mais pour ceux qui ne l'ont pas suivi, c'est de bien couper l'UV. Parce que parfois, j'ai encore le cas de clients qui ne le savent pas. Mais donc, si vous ne coupez pas l'UV, malheureusement, vous allez brûler vos bactéries. Rapidement, puisque le temps que tout ça tourne, le temps qu'elle puisse s'accrocher, ben, vous allez les brûler. Donc, coupez l'UV 48. Oui, mais enfin, il faudrait peut-être préciser, quand on coupe l'UV, c'est comme ça, verticalement ou horizontalement? Alors, horizontalement et avec un disque au fer. Ah, d'accord. Donc en fait, quand tu dis couper l'UV, c'est couper le fil de l'UV, préférence, enlever la fiche, c'est mieux, Voilà, c'est moins avant risqué. de le couper, ben, retirez quand même la fiche. C'est ça. Enfin, voilà, comme ça, j'espère que tout est Je peux clarifié. pas voir que ça ne te va pas du tout, Patrick, le confinement. Non, non, non. Ben, écoute, il y en a certains qui sont en confinement. Moi, je suis infiniment con, mais bon, c'est Voilà. autre chose. Alors, de la serre, les serres, salut à tous. Quels sont les substrats utilisés par les éleveurs japonais dans leurs filtres à douche? De quelle température chauffent-ils les serres en hiver? Merci. Alors, dans les filtres à douche, eh bien, ceux qu'on avait filmés, hein, donc vous pouvez voir ça dans le Japan Koi Trip, hein, sur Aquatech Nobel, on avait filmé les filtres à douche dans les serres de Dainichi. Et là, c'était des. Aide-moi, Patrick, j'ai un trou de mémoire, le nom, le terme exact des substrats. Ouais, c'est une espèce de bacteria house, mais c'est pas de Ouais, bacteria c'est house. ça. Allez, c'est comme des bactéria house, mais plutôt sous forme de pierre. Parce qu'il faut retenir simplement, c'est que ce sont des substrats avec plein de cavités à l'intérieur et donc qui permet vraiment à l'eau de passer dans toutes ces cavités et d'avoir un maximum de surface active. Après, on peut mettre d'autres choses dans les filtres à douche, hein, on peut mettre d'autres substrats. C'est vrai qu'au plus commun sont les bacteria house. Alors après, pour les degrés auxquels ils chauffent leur serre en hiver, c'est une bonne question. Je ne saurais pas répondre. Je sais que c'est assez. Enfin, là, on voit fort la différence de température, mais le donner à température exacte, j'ai jamais regardé de thermomètre ou quoi, donc je ne sais pas vraiment vous dire. Bon, c'est réglé, j'en sais rien non plus, mais je crois que ça doit être une vingtaine de degrés ou quelque chose comme Ouais, ça. ça doit être ça plus ou moins, mais donner la température exacte, là, je serais incapable de le donner. Déjà que, bon, d'un éleveur à l'autre, ça peut changer, hein, donc voilà. Ah oui, évidemment, hein, même les systèmes de chauffe-eau sont différents à tout, donc Bon, majoritairement, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils utilisent des petites chaudières au pétrole. ouais, en général, petite chaudière au pétrole. Il y en a certains chez qui on voit en hiver aussi des canons à chaleur, hein, notamment Patrick, souvent chez Yagenji, où il place aussi des canons à chaleur pour chauffer la serre. Mais à l'heure donnée, vraiment à température, là, je ne saurais pas vous la donner. C'est ça. Bon, alors, on a un petit bonjour de la Réunion, qu'on fait un grand coucou à la Réunion. Salut à Alors, la Réunion. je passe tous les bonjours de tous, là, puisque bon, il y a quand même pas mal de gens qui ont fait un petit coucou. Hein. Quelle est la différence entre les bactéries et les lacticides? C'est les Alors, bactéries lactiques, on va dire, hein, parce que bon, les lacticides, bon. il y a cette
Bon, alors, ce sont toutes deux des bactéries. Vous savez que les bactéries, il y a des milliers de types de bactéries différentes. Ce qui va être différent, c'est le type de bactéries et surtout leur action. Donc, quand on met des bactéries du type qu'on appelle nitrifiantes, donc ça veut dire que ce sont des bactéries comme le biota, notamment le biopro, la deuxième bouteille, ce sont des bactéries qui vont se placer sur le filtre, enfin, qui vont aller dans le filtre biologique, qui vont se fixer sur une surface et qui vont se nourrir de l'ammoniac, NH3 ou NH4 en fonction des conditions, qui est un composé qui est rejeté par le poisson, par sa respiration et par les matières en décomposition. Et ces bactéries vont se nourrir de cet ammoniac, le décomposer dans un autre composant qu'on appelle les nitrites, NO2, et ces nitrites vont être de nouveau décomposés par un deuxième type de bactéries en NO3, des nitrates. Et ces nitrates-là, en fait, ça va être le produit qu'on va dire neutralisé. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il est beaucoup moins dangereux aussi pour le poisson. Donc NH3, NO2, l'ammoniac et les nitrites, à partir de 0,1 mg par litre, ça va commencer à devenir problématique et à attaquer le poisson. Les nitrates, on est de l'ordre, ça commence à devenir embêtant à partir de 50 mg par litre par là, et c'est mortel à des doses beaucoup plus élevées. Donc ça, c'est le premier type de bactéries qui va vraiment faire cet effet-là. Les bactéries lactiques, elles ont une autre vocation, elles vont travailler sur le poisson, elles vont travailler la santé du poisson. Alors ça a aussi un impact sur la clarté de l'eau, mais principalement quand on va les utiliser, ça va être pour aider soit renforcer le poisson, soit aider le poisson à se remettre par exemple d'une plaie ou d'une blessure. C'est ça. Donc ça c'était pour les bactéries lactiques de RIC. Alors de Tolia, pour les bactéries biota, faut-il renouveler régulièrement ou juste en début de saison? Donc je suppose faire un apport régulier ou faire un apport juste en début de saison. Déjà en début de saison, moi je conseille de le faire plusieurs fois pour en aider le filtre à se coloniser. Et puis, peut-être préciser à quelle température on commence. Température de l'eau, je parle. Idéalement 14 degrés. Après, moi je suis pas contre le fait d'en mettre un petit peu avant que l'eau n'atteigne les 14 degrés. Parce que malgré tout, il y a une partie des bactéries qui va quand même pouvoir se fixer. Après, c'est clair que l'effet total va se voir une fois que l'eau va passer au-dessus des 14 degrés. Après, il y a deux choses. Encore une fois, comme je dis toujours, quand on conduit sa voiture, il faut voir la route, il faut voir où la voiture va. Donc ça, ce sont les tests d'eau. Si vous mesurez votre ammoniac, vos nitrites, et que les deux sont à zéro, je vois pas où est l'intérêt de remettre des bactéries dans le filtre. D'accord? Là, vous avez vraiment une vue sur ce qui se passe dans la biologie du bassin. Et ça va vous permettre de décider si, oui, est-ce que la filtration suit, déjà? Est-ce qu'elle est assez puissante ou pas? Est-ce que je dois rajouter de la surface active? Parce que si votre filtre est trop petit, vous avez beau remettre des biota même une fois par jour, quand la surface active elle est colonisée, les bactéries pourront plus s'accrocher. Et donc à partir de ce moment-là, quoi qu'il arrive, ça fonctionnera pas. Si le filtre est suffisamment grand, mais voilà, c'est un souci de colonisation, vous allez remettre des bactéries, et là vous allez voir votre taux d'ammoniac, votre taux de nitrite qui vont s'estomper jusqu'à arriver à zéro. Si vous ne faites pas ces tests, ce que je déconseille, il faut théoriquement bien les faire, vous pouvez remettre des bactéries par sécurité, donc une fois par mois ou une fois toutes les deux semaines, vous en remettez dedans. Mais je ne conseille pas de prendre cette habitude-là sans savoir pourquoi on les met. Je préfère la méthode faire des tests, savoir où en est le bassin, et quand on a l'information, on peut prendre la bonne décision. C'est ça. Bon, il y a un petit suivi à faire dans le bassin, ce qui me paraît tout à fait logique et normal. Oui, mais voilà, on le répète, je pense, à chaque live qu'on fait ensemble, papy, mais malgré tout, aujourd'hui, voilà, faut marteler l'info, et moi, je suis content de voir que de plus en plus de mes clients s'y sont mis, et franchement, ça permet vraiment déjà d'éviter des situations un peu catastrophiques où on a des montées d'ammoniac ou des montées de nitrite sans s'en rendre compte, parce que quand on voit les poissons attaqués ou pas bien, c'est déjà trop tard. En fait, il faut voir ça à l'avance. Et ça, ce sont les tests d'eau qui permettent de le faire. Et moi, je suis heureux de voir que de plus en plus des clients de Japan Koi s'y sont mis. Et en plus, c'est facile. Vous prenez les mesures, nous envoyez un message. Et voilà, mon taux d'ammoniac, mon taux de nitrite, mon pH, etc. Et nous, en un coup d'œil, on sait voir si
ça tient la route, ou si, ok, on est dans une situation qui va être problématique. Mais au moins, ben voilà, c'est comme un médecin qui analyse son patient, il pose un diagnostic sur base de certains critères. Si on n'a pas ces critères, c'est compliqué de pouvoir répondre précisément à un besoin et donner les bons conseils. Bon, alors, peut-être une question subsidiaire. Tu conseilles quoi comme test? Je vais pas donner de marque, par contre, je vais donner un type de test. Ce sont les tests gouttes, parce que bon, les tests bandelettes, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, c'est souvent d'ailleurs hein, dans les différentes marques, ça s'appelle test rapide ou quick test en anglais ou quelque chose comme ça. Voilà, ça donne vraiment une idée, mais ça va pas donner une valeur qui va être suffisamment précise que pour poser un bon diagnostic. Et en plus, la plupart des bandelettes ne contiennent pas l'ammoniaque, qui est le premier produit de pollution. Donc, je trouve ça un peu, ça peut mener à l'erreur, parce qu'on va se dire, oh, mais ma bandelette est bonne. Oui, mais ok, il manque un facteur qui est peut-être potentiellement le plus important. Et donc, ça fausse parfois l'idée des gens. Donc, moi, je suis pro test goutte. Après, que vous preniez une marque ou l'autre, peu importe, mais c'est les tests goutte. C'est ça. Pour la, comment dire, la précision dans la mesure. Exact. Donc pour autant qu'on fasse la mesure correctement, ce qui n'est pas toujours évident non plus, parce que bon, voilà. Oui, mais c'est une remarque générale. Hein, ouais, moi, j'ai des gens qui m'envoient régulièrement des valeurs, par exemple. Et qu'est-ce que je constate? Déjà, si on me donne une valeur de pH sans avoir la valeur du KH, je n'en tiens pas compte. Donc ça veut dire que pour moi, le pH n'existe même pas. Donc pourquoi? Parce que bon, si le KH tombe à zéro, ben la valeur du pH prend n'importe quelle valeur. Donc ça n'a plus aucun intérêt de prendre cette mesure en compte, si vous voulez. Donc voilà, peut-être une précision là-dessus, c'est que le KH et le GH, faut pas s'étendre sur tous les paramètres, mais jouent sur en fait les fluctuations du pH. Et c'est ça que tu veux expliquer. Oui, mais avec un KH à zéro, il n'y a pas de pérennité dans le pH, voilà. Il n'y a plus de tampon. Donc, ce qui veut dire que le pH peut prendre n'importe quelle valeur. C'est d'ailleurs une façon de voir aussi, et que je constate que trop régulièrement, malheureusement, c'est que quand j'ai un KH qui est à 2, quelque chose comme ça, tu vois, et puis qu'on m'annonce un pH à 8,4, c'est impossible. Donc, c'est impossible. Pourquoi? Parce que, bon, le KH est beaucoup trop bas. Donc, le pH ne peut pas avoir une valeur de 8,4. Mmh. Donc, ça veut dire clairement que le test a été mal fait. Donc, on a fait des tutoriels là-dessus sur comment réaliser correctement des tests. Il faut déjà secouer la bouteille, retourner la bouteille, dégager la première goutte, parce que sinon, c'est déjà une erreur en soi, parce que en secouant la bouteille, on a créé des bulles dans la bouteille, donc il faut dégager la première goutte, et puis seulement commencer à compter les gouttes pour voir quelle est la mesure exacte. Ça a l'air tout court comme ça, mais bon, on ne le fait pas. Donc c'est ce que moi je constate au fur et à mesure du temps qui passe. Et bon, c'est pas faux de l'avoir répété, mais bon, il faut vraiment être strict quand on fait des mesures. Donc ça, c'est une chose qui est importante aussi, évidemment, c'est de voir l'ammoniaque, ça c'est certain, mais aussi de voir s'il y a des nitrites. Et bon, là aussi, il faut être prudent, parce que là aussi, on a besoin d'une valeur sûre. Et c'est là où les bandelettes vont déconner le plus. Bien souvent, les bandelettes donnent des valeurs de nitrite relativement importantes, alors qu'elles ne le sont pas. Donc ça, c'est un... Quand je reçois des valeurs avec test à bandelettes et que j'ai des nitrites, je m'excite pas, parce que bon, je sais que généralement, les valeurs de nitrite sont trop élevées par rapport à la réalité. Je demande confirmation avec des tests à gouttes, et bien souvent, on retombe dans des valeurs normales. Donc ça, c'est du remarquage. C'est pas si complexe, ça prend pas tant de temps que ça, parce que voilà, celle en général qui est la plus longue à réagir, c'est la mesure pour l'ammoniaque. C'est maximum un quart d'heure, donc voilà, ça prend, franchement, c'est pas complexe, ça prend pas trop de temps. Donc si vous pouvez vous munir, ben voilà, d'une valisette de tests et faire ces tests gouttes, c'est très important. Et surtout au moment où le bassin va être le plus en zone instable, je vais dire. En l'occurrence, ça va être maintenant, en début de printemps, où ça va être fort important de prendre ces mesures pour pouvoir vérifier que votre filtration se relance comme il faut. Et alors après, en haute saison, si vous nourrissez beaucoup, ben, de contrôler que la filtration suit toujours et que vous n'êtes pas en zone un peu de saturation. Exactement. On est tout à fait d'accord là-dessus. Alors, de Fabrice.
Bonjour Patrick, ce matin mon bassin, l'eau était magnifique. Je dois attendre un peu pour mettre des bactéries. Le matin, il fait trop froid. Je les ai achetées et mis de côté, Marc Colombo. Ben, on a dit toujours, hein, comme tu l'as dit aussi, pour le biota, bon, en général, ça sert à rien de mettre vraiment des grosses masses de bactéries avant une température de 14-15 degrés. Moi, je conseille 15 degrés. Donc voilà, et puis voilà, donc c'est un peu tôt, je dirais, si tu es dans le nord comme nous, ou en Belgique évidemment, il y a encore des gelées nocturnes, etc. Les deltas températures sont importantes, et la température de l'eau, je sais pas, doit osciller dans les dizaines de degrés, donc c'est un peu bas. C'est un peu bas pour traiter ça. Par contre, la semaine prochaine, les températures vont monter au-dessus de 15 degrés de température de l'air. Donc, on peut suspecter que les températures de bassin vont monter aussi. Donc, on pourrait commencer à voir un petit peu la fin du tunnel et envisager de mettre ces bactéries. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Chaque chose en son temps. Et puis voilà. En parlant de bactéries, peut-être pour. Je ne sais pas, il y aura peut-être encore des questions hein, sur la bactérie, mais on a quand même décidé, Japan Koi et moi-même, d'essayer de vous faire une émission en direct avec le patron de chez Biogro. Hein, je crois que ça va pouvoir se faire. Et là, vous aurez l'occasion de poser toutes les questions concernant les bactéries, etc. Je rappelle Biogro, trois produits actifs. Et bon, c'est vraiment exceptionnel comme produit. Alors, je ne sais pas, tu as eu des retours un peu de tes clients de l'année passée? Excellent retour. Oui. Tout, beaucoup, beaucoup de bons retours. Et c'est un produit voilà, que moi j'apprécie beaucoup, que j'utilise ici au magasin en combinaison avec le biota. Ça marche très bien. Et je le conseille surtout aussi pour les bassins en pompage, ce que je disais hier dans le live quand on a présenté les bactéries. Parce que la troisième bouteille de Biogro va travailler sur les bouts de fond. Et dans les bassins en pompage, souvent, on remonte un peu la pompe. Pourquoi? Parce que si un jour, il arrive une fuite quelque part dans l'installation, si la pompe est tout à fait dans le fond du bassin, ce qui va se passer, c'est que le bassin va se vider complètement. Et je peux vous dire, moi, j'ai déjà eu ici des clients qui ont eu le coup. Donc, voilà, c'est pas un truc qui n'arrive jamais. C'est un vrai risque. Donc, la pompe, faut toujours la mettre suffisamment en hauteur par rapport en fait à votre plus gros koi, pour que même s'il arrive quelque chose, vos poissons soient toujours dans l'eau. Ce qui fait que la pompe n'aspire pas toujours tout ce qui est boue dans le fond du bassin. On a moins ce souci-là en gravité, où tout est aspiré par le point bas. Et souvent dans ces boues, eh bien, c'est là qu'on se retrouve avec des zones en fait qui sont en anaérobie, où il va y avoir moins d'air et où il va y avoir des matières en décomposition. Et là, on a un peu la recette miracle pour la création de mauvaises bactéries, pour le déploiement des mauvaises bactéries. Et là, cette troisième bouteille de Biogro, ben, c'est là qu'elle va aller agir et qu'elle va travailler en fait sur la composition de la flore bactérienne des bouts de fond. Donc pour les bassins en pompage, je pense que c'est encore plus intéressant que pour les bassins en bouteille. C'est ça. Alors, un petit message pour toi, Arnaud, de Fabrice Benadric. Salut Arnaud, comment tu vas? Et Quentin, ça va? Voilà. Donc, je sais, Quentin c'est... Et Quentin, ça va? ou Quand... Corentin? C'est marqué Quentin. Et Quentin. Ouais, moi, je ne connais pas, donc voilà. Alors, de Karachi, avec du bactogène, y a-t-il une utilité à diluer avec de l'eau du bassin dans un récipient avec un bulleur pendant quelques heures pour activer avant de les introduire dans le filtre et bassin? Alors, moi, je vais répondre à cette question-là. Je sais pas si tu vends du bactogène, toi. Non, j'en vois pas, c'est un produit que je connais pas. Moi, je le connais bien, par contre, donc je vais quand même. J'ai un produit que j'ai utilisé pendant des années. Donc, ça sert pas à grand-chose de le diluer. Donc, mettez-le carrément. La moitié est toujours dans le filtre et l'autre moitié dans le bassin. Et rien d'autre à prévoir. Vous n'allez pas activer plus. Bien souvent, des gens qui les mettent comme ça, dilués, etc., et n'utilisent pas l'eau du bassin, mais l'eau du robinet, comme ça, ils sont sûrs qu'il n'y a plus une bactérie qui survit. Donc, ne faites pas ça, mettez-le directement dans le bassin, ça marchera tout aussi bien. Et puis voilà. Pas oublier, comme pour toutes les bactéries, de couper les V, mais ça, on en a déjà touché un mot, hein, sans quoi l'effet est le même que l'eau du robinet. Donc Ce que tu voilà. as dit est important, ouais, il faut bien le rappeler, même pour le biotage, je l'ai encore rappelé hier dans le live.
Voilà, dans le bain-marie, vous pouvez mettre l'eau du robinet, ça n'a pas d'importance, mais là où vous mettez vos bactéries, peu importe la marque, peu importe le type de bactéries, dès que vous les mettez dans de l'eau pour la diluer, Patrick vient de le dire, et c'est très très important, pas d'eau du robinet. Exactement. C'est comme nettoyer le filtre, hein. Si vous avez un filtre à tapis par exemple, ben, on nettoie le filtre à tapis avec l'eau du bassin et pas avec de l'eau du robinet, sans quoi vous flinguez votre filtre et ça n'apporte rien. Donc ça, c'est des choses... Parlant d'eau, Patrick, tu vois que je suis à l'eau. Hein. Exactement. Non, c'est pas un coup, mais bon, regardez, c'est bien de l'eau. Ce que je vous conseille, c'est de directement faire un print screen, parce que vous ne verrez pas souvent Arnaud boire de l'eau. Il est en période d'intoxication. Non, on m'accusera de boire autre chose que de l'eau. Oui, mais enfin, bon, tu risques quand même une embolie ou quelque chose comme ça avec ça. Parce que ça ouais, va... mais après, tous les soirs, je vais prendre une solution hydroalcoolique. Hein. Ils ont dit que c'était fort important d'utiliser des solutions hydroalcooliques. Ah, toi, tu les mets dans la gorge, pas dans la main. Il y a un peu d'eau dans beaucoup de Ricard, et t'es sûr que tout va bien. C'est ça. Enfin, bon, ça, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, soit... Alors, pour Gilbert, attends, que je dise pas de bêtises, ah oui, donc, de Guinrin. Alors, quelle est la meilleure période pour refaire son bassin, mais qu'ils seront dans une piscine à l'extérieur? La meilleure période pour refaire un bassin? Ça, c'est la question qui tue, hein. Moi, je dirais que la meilleure période pour faire un bassin, c'est du 1er janvier au 31 décembre, parce qu'il n'y a pas vraiment de période qui est meilleure qu'une autre. Bien sûr, quand on met ses poissons dans une piscine, on les met de préférence à l'abri du gel, parce que bon, on va quand même pas laisser tout ça en plein gel, si c'est l'hiver, mais bon, il n'y a pas vraiment une bonne période. Hein. La plus mauvaise période, pour moi, c'est sans doute de le faire en été, parce que l'été et le printemps, c'est quand même difficile. C'est ce que je dirais, parce que là, les coilles sont un métabolisme, enfin, leur métabolisme est fort actif, et donc c'est la période où ils risquent le plus de stresser et de développer. Les parasites aussi sont les plus actifs, les bactéries sont les plus actives lorsqu'il fait chaud, donc c'est potentiellement plus dangereux de le faire en premier. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on est arrivé? Ouais. J'aimerais mesurer mes belles à quelle température? J'ai pas compris. Il aimerait bien mesurer ses coilles en fait, donc ses belles quoi. Donc à quelle température on commence à les mesurer? J'éviterais de les déranger en plein hiver quand ils sont un peu au repos. Moi j'irais de les mesurer ici début du printemps ou alors en fin de saison. Mais ouais. Ici c'est l'intérêt de le faire maintenant, enfin début ici du printemps. C'est que tant qu'il est mesuré, il peut en profiter pour faire un contrôle printanier. Donc, regarder si tout va bien, s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas d'attaque. Et éventuellement, si possible, faire un frottis de contrôle. C'est ça. Bon, ça implique déjà d'avoir un microscope, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Mais enfin, bon. C'est le stade 2. Le stade 1, c'est faire ses mesures, ses tests-gouttes. Puis, une fois qu'on a appris à faire ses tests-gouttes, le stade 2... c'est se munir d'un microscope et puis commencer tout doucement à apprendre les frottis. Ou alors, bah, se munir d'un microscope qui est capable d'enregistrer en fait la vision et puis nous envoyer des vidéos de ce qu'on voit. Et c'est comme ça en général que bien que les personnes peuvent apprendre. Exactement. On pourrait préférer des vidéos d'ailleurs à des photos. Alors... Est-ce qu'une attaque bactérienne se détecte dans les paramètres de l'eau? Certainement pas. Donc on ne peut pas détecter une attaque bactérienne avec les paramètres de l'eau. Non, par contre, une attaque bactérienne arrivera plus rapidement. En fait, le poisson sera beaucoup plus fragile si les paramètres de l'eau sont mauvais. Quand je dis paramètres de l'eau, c'est principalement, pour ce qui est attaque bactérienne, l'ammoniac et les nitrites. Voilà, une question de Johan Villard, apparemment, qui est un client à toi. Arnaud, j'ai bien commandé l'antiworm pour mon bassin. Faut-il renouveler le traitement au bout de 6 jours? Ben alors, c'est une bonne question, merci de la poser, Johan, comme on en a discuté. Pour le ver de peau, ce n'est pas nécessaire de renouveler le traitement. D'accord? Je donne un renouvellement de traitement quand la population de ver est vraiment, vraiment importante. Tout simplement quand je ne peux pas refaire un frottis de contrôle. Pour ce qui est du ver de branchie, d'office, il faut
renouveler le traitement. C'est ça. Alors, Didier Jolin, salut à tous, j'ai une queue qui a environ 25 ans et qui depuis 2 ans est très maigre. Elle se nourrit comme les autres, qu'en pensez-vous? Bah, si elle est très maigre et qu'elle vient manger quand même, c'est déjà une bonne chose. Hein. Dans la nature, je crois qu'il y a des queues qui sont prédestinées à ne pas grossir et puis il y en a d'autres. Maintenant, voilà. Je pense que c'est probablement un mâle parce que ce serait une femelle, elle devrait genre moins gonfler rien qu'avec les œufs. Donc, moi, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter à ça. La question n'était pas très très claire. Est-ce qu'elle a été beaucoup plus grosse et puis qu'elle a maigri en vieillissant, ou est-ce qu'elle est la 25 ans, elle a toujours été mince, elle est toujours mince. C'est là où j'ai pas bien compris la question. Mais après, je pense que c'est. Non, depuis 2 ans, elle est très maigre. Ah, depuis, tu vois, il me semblait bien. Donc, elle a maigri à cet âge-ci. Là, franchement, c'est difficile à dire. Si elle mange comme il faut, s'il n'y a pas de soucis au niveau santé, c'est la génétique, c'est. Bah, il faut appeler un vétérinaire, évidemment, qui fera une échographie pour voir s'il n'y a pas un organe interne qui est atteint ou des choses comme ça. Mais bon, sinon, comme là, ça, de l'extérieur, c'est pas possible de faire sans avoir une échographie, quoi. Ça, c'est un minimum. Alors, tous les combien de temps il faut faire les tests de Ludovic pour les tests de l'eau? Les tests de l'eau? La fréquence. Là, comme je dis, hein, moi, en général, donc à cette période-ci, j'irais presque hebdomadaire, voire parfois 2 fois par semaine, c'est quand les températures vont monter. Tout va dépendre un petit peu de l'évolution de la température de l'eau. On va voir si ça va se démarrer doucement ou si ça va démarrer très vite. Après, en été, une fois toutes les 2 semaines, c'est bien. Et puis en sortie de saison aussi, à l'attaque de l'hiver, quand les températures vont diminuer, j'aime bien de refaire des tests un petit peu plus resserrés pour être sûr et certain qu'on entre dans la période hivernale avec des bons paramètres. C'est ça. Alors, Derek Roy, combien coûte un ozonore et quel est le modèle adapté pour un petit bassin de 10 mètres cubes Uvozone, merci. Pour un bassin de combien de mètres cubes, Patrick? 10 pas mètres cubes. Attends, je vais regarder ça dans mes papiers. Alors, pour celui que nous, on utilise, c'est un 75 watts chez... Je retrouve. J'ai pas pris ma liste de prix avec, hein, c'était pas le but de ce live. J'en ai un chez Aquaforte qui est aux alentours des 900 € et j'en ai un chez Filtro, mais là je n'ai pas le prix sous la main. D'accord. Bon, c'est un appareil qui n'est pas spécialement donné. Faut faire attention avec un niveau zone parce que bon. Je vous conseille toujours d'avoir une sonde de redox pour voir et qui puisse couper le cas échéant l'apport en ozone, sans quoi ça devient dangereux pour les poissons, surtout sur un petit volume de 10 mètres cubes. Donc très prudent avec ça, c'est de l'ozone, c'est pas n'importe quoi, vous cramez vos poissons avec ça. Hein. Donc vous avez de l'eau bleue et plus de poissons, c'est un choix. Donc voilà, moi, je ne sais pas ce que tu en penses toi de l'ozone. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Voilà, après un bassin qui est mis à l'ozone, c'est clair, bon, il est assez aseptisé, donc ça peut éviter pas mal de soucis au niveau bactérien. Nous, on peut pas l'utiliser ici en magasin, quoi qu'il arrive, tout simplement parce que si on met un poisson trop longtemps à l'ozone, il est dans un environnement aseptisé. C'est comme si on met un humain dans un environnement aseptisé, puis tout d'un coup, hop, on le relâche dans la nature. Et voilà, on le voit un petit peu maintenant, mais vous allez être confronté à des rhumes, vous allez être confronté à différentes choses. Et puis, c'est votre métabolisme qui a la capacité de résister à ces attaques-là, qui va avoir un système immunitaire qui doit être suffisamment fort. Et un poisson qui est mis trop longtemps en ozone, si on le remet dans un bassin où il n'y en a pas, on a un petit souci. Donc, il risque d'être plus fragile. Voilà, bonjour. Donc, on ne l'utilise pas forcément. Après, pour ceux qui veulent l'utiliser, c'est un très bon appareil et effectivement, ça a ses avantages. Maintenant, ça a ses inconvénients, comme tu le dis, Patrick. Il faut pouvoir suivre ce qui se passe, bien comprendre comment fonctionne le système et vérifier qu'il n'y a pas de souci. Oui, moi je rajouterais que bon, moi je ne suis pas forcément contre l'ozone, certainement pas en cas de poussée bactérienne, parce que ça peut aider
pas mal pour baisser la pression bactérienne dans un bassin, mais en utilisation ponctuelle, pas en continu. Parce qu'en voilà. continu, ça devient quand même dangereux. Parce qu'un jour ou l'autre, eh bien, ça dépend des modèles d'osonisateurs, bien sûr, ou d'ozoneurs, mais un jour ou l'autre, ça tombe en règle parce que c'est jamais que de la technique. Hein, et quand ça tombe en règle, eh bien, les poissons, ils en prennent plein la gueule, comme on dit vulgairement. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, Duric, pH 8, GH13, KH7 et nitrate ammoniaque 0, ça paye du GH+, ainsi que le changement d'eau, bien sûr. C'est certain que ça paye, hein, si on a des valeurs comme celle-là, on est content. Exact. Alors, de DJ Félix, bonjour, je donne de la nourriture prévue pour les truites. Est-ce que ça peut poser un problème? Je ne connais pas cette nourriture, donc il faudrait la composition, voir un peu ce qu'il y a dedans, et en fonction de ça, je pourrais répondre. Mais ne connaissant pas la nourriture, là, je ne sais pas. Bah, si c'est pour des coïs, de toute façon, les coïs sont omnivores, ils vont manger la nourriture. Ah oui, ils vont le manger. Après, il faut voir au niveau de l'impact que ça va avoir sur la croissance, sur la santé, sur le body. Il faut voir les oligo-éléments qu'il y a dedans, voir les vitamines qu'il y a dedans. Mais ça, là, ça peut donner des carences, effectivement. Donc, ça. On ne sait pas, on n'a pas la science infuse sur toutes les variétés de bouffe qui existent sur le marché, de celles-ci en a. Donc il y en a vraiment beaucoup de trop et ça c'est vraiment un problème pour diriger les gens. Donc personnellement, hein, je ne suis pas là pour faire la pub de telle ou telle autre marque. Donc regardez les étiquettes, la composition et puis bon, vous avez certains repères hein, sur... Ça dépend aussi de ce que vous voulez faire, hein, si vous voulez avoir de la croissance, pas en avoir, etc. etc. Donc voilà. Ça dépend, voilà. Alors, de Mabruk, Massy, salut. Après quelques jours de pluie, le niveau de nitrate et de nitrite de mon bassin ont augmenté. Une solution pour vous faire baisser, j'utilise Nitrivec, mais avec ça, ça n'a pas trop fonctionné. Après quelques jours de pluie, les nitrates et nitrites ont augmenté. Bah, les nitrates, ça veut dire que le filtre fonctionne. Si les nitrites augmentent, ça veut dire qu'il n'est pas assez puissant. Et la seule solution qu'il y a par rapport à ça, c'est d'augmenter la filtration. Ou de diminuer le nombre de poissons. Il y a plusieurs étapes dans la réponse. Je vais y venir tout de suite, mais il y a quelqu'un qui va nous rejoindre entre-temps. Ah. On connaît quelqu'un là, c'est un commentaire. On est à 1,50 m. Ouais, ouais. Mais bon, il faudrait quand même se rapprocher un peu pour qu'on puisse vous entendre. Ouais. Mais bon, de toute façon, nous, on est confinés ensemble, donc ouais. On peut être prêts l'un de l'autre. Comment va Corentin, d'abord? Dans la question, j'ai entendu plusieurs choses sur lesquelles je voudrais revenir. On parle donc de Nitrivec, en l'occurrence, mais donc de tout ce qui est produit, en fait, pour faire diminuer l'ammoniac et les nitrites. Oui, ça existe. Ce sont, je le rappelle, des solutions de secours. Donc, ça veut dire, c'est quand on a le souci, ah, qu'est-ce qu'on fait? On met le produit, on fait descendre. Mais après, il faut s'attaquer à la cause. Donc, ça, c'est un moyen, ben voilà, de réagir rapidement. Mais il faut pas que certaines personnes pensent, ben oui, ben si à chaque fois que mes nitrites vont monter, je vais mettre le produit. Et voilà, non. Il faut éliminer après la cause, en fait, de l'apparition des nitrites. Et ici, en l'occurrence, il faut voir aussi les autres facteurs, parce qu'il y a la pluie, c'est une chose. Il faut voir est-ce qu'il n'y a pas eu une montée des températures. Je ne sais pas d'où est, dans quel coin est cette personne. Est-ce qu'il n'y a pas une montée des températures? Est-ce qu'il n'y a pas commencé à renourrir éventuellement? Il faut voir un petit peu tous les facteurs qu'il y a autour pour essayer de comprendre d'où vient l'apparition des nitrites. Et puis, je suis assez d'accord avec ton analyse. Si tu as un fort taux de nitrate et puis des nitrites résiduels, ça veut dire tout simplement que ben, y a plus de surface active pour les bactéries, le filtre est trop court, et donc probablement qu'il faut donner un peu plus de puissance à la bio. Alors bon, après quelques jours de pluie, ben, les nitrates auraient peut-être dû diminuer, puisque bon, les nitrates c'est quoi? C'est jamais que le produit résiduel d'une filtration qui fonctionne. Donc une filtration qui fonctionne est une usine à nitrate en quelque sorte. Mais normalement, ces nitrates devraient être en augmentation constante, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, en fonction de la filtration. Ça veut aussi dire quelque chose de très simple, c'est que
Non seulement la filtration est insuffisante, mais vous ne faites probablement pas de changement d'eau, monsieur Mabruk. Et ces changements d'eau permettraient de maintenir un certain niveau dans tout ça. Maintenant, vous êtes avec des nitrites, ça c'est beaucoup plus embêtant parce que ça c'est plus dommageable pour vos poissons. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par faire un changement d'eau. Ça, c'est la première chose à faire. Ça, c'est évident, me semble-t-il. Quelque chose oui, à alors, autre possibilité, c'est que, ben non, c'est pas possible. J'allais dire qu'on soit en phase de relance, mais si on est en phase de relance... Ben, tu n'auras pas de montée de nitrate, hein, donc... Tu n'auras pas de, non, tu n'auras pas de montée. Si, tu pourras avoir une légère montée de nitrate en phase de relance. En fait, il faudrait reprendre un test d'ici 3-4 jours et voir ce que ça donne au niveau des nitrites. C'est ça. Mais effectivement, un petit changement d'eau ne ferait pas de tort. Mais, ah ben non, sûrement pas. Hein. Donc, un changement d'eau, ça reste quand même la base de tout bassin, c'est de faire régulièrement ces changements d'eau. Ça, c'est clair et net. Bon, non, je te laisse parler après. Moi, j'ai trop peur de vous. Et tout le monde a vu que je buvais de l'eau. Oui, il y a Eric Henry qui dit que l'eau, c'est pour les poissons. Donc, tu vois, tout le monde a vu ça, mais bon, il n'y a personne qui y croit, hein, je le dis tout de suite. Hein, parce que bon, il a peut-être tapé de la vodka ou je ne sais pas quoi là-dedans. C'est une certitude. Ouais, c'est la secret de production, ça. Et je vois d'ailleurs que le plastique tient pas le coup, il est en train de fondre. Donc, je ne me prononcerai pas sur le produit dans la bouteille, mais ça craint, ça craint. Enfin, soit, ça c'est une autre histoire. Comment va Corentin? Ça va, ça va. Rien de pas d'âge important. Hein. Donc, c'est ça, je rends encore service malgré qu'on ne se déplace plus beaucoup. On a quelques clients, sauf que commis des impairs, ou qui ont des gros problèmes avec leur poisson ici en début de saison. Bah, voilà, j'essaye de faire à distance, mais des fois, ce n'est pas possible. Ici, voilà, je reviens d'une personne assez âgée, à 80 ans. Elle est bien restée dans la maison. Secourir, bien sûr. Hein, ah. J'ai tout fait à travers les carreaux au niveau de la discussion. Et, par contre, les poissons, je les approche. Ouais. Mmh. Voilà. C'est ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Ben oui, c'est pas simple le confinement. Certainement pas pour les gens qui sont dans le domaine du bassin, puisque bon, tout est quasiment à l'arrêt. Donc, c'est pas simple. C'est devenu très compliqué. Alors, de Dominique, bonjour, que pensez-vous des pompes d'Envario, sont-elles fiables? Ben, nous, on a travaillé longtemps ici avec des Envario, donc de chez Aquaforte. Super content, très peu de pain en tant que magasin, très peu de retours, vraiment très peu, je pense que 2% ce serait beaucoup. Et encore, c'est souvent dû à une mauvaise utilisation, on va dire, ou... Voilà, si on la met en mode pompage, on ne fait pas attention à l'encrassement de la crépine. Bon, voilà, c'est différentes choses que n'importe quelle pompe peut en souffrir. Mais non, très bonne pompe. Maintenant, ici, il faut savoir que ça change un petit peu au niveau de législation. Ils ont changé le modèle. Donc, il y a un nouveau modèle ici qui fait théoriquement sortir pour le printemps 2020. Mais voilà, je n'ai pas trop suivi les histoires, mais sûrement avec ces histoires de Corona, ça va retarder un petit peu. Mais donc, ils ont fait un modèle qui est un peu plus cher, mais différent au niveau de la conception du variateur. Ça, au niveau consommation, c'est pareil ou... Oui, oui. Tout était pareil, c'est juste une question d'électronique un peu plus poussée au niveau du variateur pour répondre aux nouvelles normes européennes ou du moins dans le pays de fabrication. Oui, c'est ça, pour les perturbations électromagnétiques ou des choses comme ça. Quoi. Voilà. Donc, sinon, non, nous, on a encore un stock de DM Vario ici, je veux dire. De fin de l'année passée, et bon, moi je mets le problème avec ces pompes-là avant, c'est juste une question de normes, mais pompe super solide, super rapport qualité-prix. C'est ça, surtout ça, parce que bon, ce ne sont pas des pompes très chères. Non, donc, et puis il faut de l'énergie, donc que demander de plus. Bon, exactement. Alors, à quelle fréquence introduire de l'argile pour que ce soit vraiment efficace? Ça, je vais dire, quand on lit sur certains produits, les fréquences changent un petit peu. Maintenant, on parle souvent d'un ajout mensuel à trimestriel. Corentin, excuse-moi de t'interrompre, mais là, on a l'impression que tu es sur un bateau avec une tempête, avec du dit Beaufort. Là, parce bien, que... Tu vas nous donner le mal de mer à bouger comme ça. Il est nerveux avec le confinement, Patrick. Il ne tient plus en place, là. Il a hâte que les bars réouvrent. Oui, c'est ça. Donc, revenons à l'argile. Ouais, l'argile, ben non, l'argile tout dépend d'une marque à une autre. Hein,
c'est un super supplément à mettre hein, au niveau des tout ce que ça peut apporter, des minéraux dans l'eau, etc. C'est bien d'en mettre. Maintenant, il ne faut pas tomber dans la psychose qu'on a vraiment besoin d'argile non plus. Vérifier toujours vos paramètres d'eau, c'est le principal. C'est vraiment un plus pour moi, ça. Et voilà, maintenant, d'une marque à l'autre, ça peut aller de mensuel à trimestriel. Donc, avoir d'une marque à une autre. Maintenant, attention aussi que pour ceux qui ont des tambours, bah, l'argile, parfois, peut colmater légèrement, enfin, provoquer du moins plus de rinçage du tambour. Oui, parce que c'est des particules fines, en fait, enfin, relativement fines. Hein, donc, l'argile, c'est pas très, très épais, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais enfin, bon. Voilà, c'est comme ça. Ça participe certainement à la digestion des poissons, puisque bon, le koi reste quand même une carpe. Une carpe, c'est un poisson fouineur. Et durant son existence dans les mud ponds, comme on dit au Japon, forcément, ben, ils en avalent quand même une quantité non négligeable sur une année. Donc moi, je pense que bon, ça apporte certainement du positif pour le poisson. Maintenant, après, à quelle fréquence, c'est une question. À quelle quantité, ça en est une autre. Hein, donc difficile à dire. Et c'est certain que pour ceux qui ont un filtre à tambour, c'est difficile de garder de l'argile dans un bassin, car finalement, il est directement sorti par le tambour relativement vite en tous les cas. Alors, Rick, si on a une fuite et que le bassin s'est vidé avec juste un reste d'eau pour sauver les koi, lorsqu'on remet l'eau du robinet, faut-il mettre quelque chose en supplément dans l'eau? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, moi bien. Donc, C'est-à-dire que il y a plein de choses à faire attention dans ce cas-là. Bon, c'est un petit drame qui arrive. Il faut remettre de l'eau, c'est une certitude, mais il faut faire attention aussi aux différentes températures. Et puis, il y a bien sûr le chlore qui est présent dans l'eau de ville. Idéalement, je vais dire, il faut essayer de casser le jet. Donc, c'est faire un grand jet avec le tuyau d'eau pour faire une évaporation déjà partielle du chlore lorsque le jet d'eau tape la surface de l'eau. Ça va déjà évaporer une partie. Parce que bon, c'est pas trop bon non plus d'immerger les poissons direct dans le fil comme ça. Il y a la différence de température aussi qui peut se produire. À l'heure actuelle, généralement, c'est le démarrage, tu vois, au démarrage de la saison qu'on a ce genre d'aventure. C'est qu'il y a un tuyau qui se fait la malle, surtout quand on est pompé et on vide le bassin. Et ça va très vite. Hein. Donc, en fait, ça m'est arrivé ce coup-là. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'une pompe dans un bassin pompé, on ne peut jamais la mettre sous le fond du bassin. Il faut toujours la surélever pour garder un peu d'eau. Parce que je ne connais personne qui a un bassin en pompé qui n'a jamais eu cette mésaventure. Un jour ou l'autre, ça arrive, il y a un tuyau qui se fait la malle et ça se vide. Donc, cela étant, pas grave. Alors, si on remet de l'eau, je dis, la température de l'eau du robinet, c'est 12 degrés. Ça, c'est une constante. Donc, en fait, comme pour l'instant, l'eau est à 10 degrés, du moins dans le nord ici, là, il n'y a aucun problème de choc thermique avec les poissons. Après, bon, bien sûr, on va leur faire un choc, ceux qui vont avoir le plus de mal en finalité. C'est pas tant le fait du chlore, surtout si on le fait avec un jet diffus vers le haut, par exemple. Tu vois. Mais c'est bien avec la qualité de l'eau qui va changer, puisque là, on va avoir une eau qui sera nettement plus dure, etc. etc. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on ne doit pas attendre de remplir le bassin. Au plus vite il sera de nouveau fonctionnel avec la filtration, au plus on a des chances de récupérer une bonne partie des bactéries qui sont dedans, surtout c'est les bactéries qui sont dans le bassin tant que les parois ne sont pas sèches. Donc on a intérêt à le faire au plus vite et en général ça se passe sans trop de difficultés, à moins d'avoir un bassin qui est vraiment en très mauvais état au départ. Si c'est un bassin qui tient la route et qui est relativement équilibré, ce genre de mésaventure ne pose pas vraiment de problème. Ça m'est arrivé une fois et je n'ai pas perdu un seul poisson à cette époque-là. Et ça, en ayant des hydres mélanotes qui sont des poissons extrêmement fragiles. Donc, ça n'a rien fait du tout. Maintenant, bon, évidemment, ça a fait une poussée d'adrénaline en ce qui me concerne, un choc psychologique certain, et puis... Ah, c'est bien, en fait. Oui, ça m'a donné quelques cheveux blancs en plus, tu vois. Maintenant, évidemment, ce genre de mésaventure ne risque plus de m'arriver, mon bassin n'est plus en pompage, mais gravitaire, et puis, d'autre part, il n'y a plus grand-chose à devenir blanc, ils sont déjà tous blancs, donc ça sera transparent, ce qui me concerne. Donc voilà, ça c'était pour la petite aventure.
Bonjour de Patrick Bossu. À vous, qu'est-ce que vous pensez des microscopes à écran digital? C'est les microscopes avec un petit écran au-dessus? Ben, moi personnellement, j'aime pas. Voilà, après, je crois que c'est un choix personnel. Nous, on en a eu un. Notre tout premier, en fait, était à écran digital. J'aime pas trop. Dans l'utilisation, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ouais, quand c'est un verre ou quoi, ça va. Quand on commence à regarder du Costia, c'est plus compliqué. Après, je pense qu'il y en a des bien plus évolués qui doivent avoir une meilleure résolution. Moi, personnellement, je suis plus pour les microscopes bioculaires, quoi. Donc, avec deux, vraiment les deux optiques. Et là, on peut vraiment avoir une bonne, très bonne résolution qui permet de voir ben, la plupart des parasites. Alors, comme je dis, les gros parasites, on les voit, les vers, on les voit très facilement. Maintenant, quand on commence à analyser du Costia, ça devient un peu plus compliqué. De manière générale, par contre, ce qui est important, c'est d'avoir donc en zoom global, hein, donc optique plus la net, je sais pas comment ça s'appelle, c'est d'avoir un x40 et un x100. Si vous avez que le x40, vous allez voir, comme je dis, les coparasites, vous allez voir la trichose, vous allez voir les vers, les points blancs, vous allez voir aussi. Mais vous risquez sincèrement de passer à côté du Costia. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est un parasite qu'il faut traiter rapidement. Et en tout cas, voilà, qui peut être potentiellement le plus dangereux. Donc, voilà, si vous faites le frottis, vous fiez voilà, à cette analyse, ayez au moins le x40 et le x100. C'est ça. Alors, en ce qui concerne un homme avec toute l'eau qu'il boit, il doit avoir un foie à 2000. Bon, c'est une remarque qui n'a rien à voir avec les poissons. Donc, on retiendra le plus gros grossissement nécessaire, c'est le fois 100. Ça sert à rien d'avoir un microscope électronique. Ça ne vous donnera aucune indication supplémentaire. Alors, je n'ai pas arrêté de Yann, je n'ai pas arrêté ma filtration cet hiver. Comment est-il possible de savoir la bio a bien redémarré? Est-ce que les nitrates peuvent me donner cette info? Moi, je dirais que l'info que vous recevrez, que votre bio a bien redémarré, c'est l'info que vous ne verrez pas. Puisque si elle a mal redémarré, vous aurez d'office une montée d'ammoniac et puis après de nitrite. Donc, si vous n'avez pas ni de nitrite ni d'ammoniac, c'est que ça a bien démarré. Je ne sais pas, tu as quelque chose à rajouter à nos Ah commentaires? non, c'est toujours la même réponse. Voilà, moi je suis ingénieur de formation, j'ai appris à réfléchir comme ça. C'est je prends des mesures, j'analyse les mesures et puis en fonction on pose un diagnostic et on prend des décisions d'action. J'aime pas trop la technique, voilà, un peu, je regarde et je vois. Moi, je pense que les tests gouttes, ils sont là, ils existent, c'est pour ça qu'ils ont été créés et ça marche très bien. Ça donne une information, pour autant, comme tu l'as dit, Patrick, en début de live, que ça soit bien utilisé. Et je crois que tu as déjà fait un tuto là-dessus, mais tu m'as donné une idée pour une de nos prochaines vidéos, tiens. Et voilà, fiez-vous à ces mesures-là. Si vous voyez votre ammoniac à zéro, vous voyez vos nitrites à zéro, ou très proche de zéro, en tout cas en dessous de 0,1 mg par litre, et que vous voyez bah, du nitrate, il y a de grandes chances que tout fonctionne. Vous avez la preuve. Si vous voyez que vous avez de l'ammoniac à 1 mg par litre, bah, vous voyez qu'il y a un souci. Et alors, à partir de là, on cherche la cause. C'est ça. Alors, docteur Lia, j'aimerais avoir une indication sur l'alimentation des koi. Comment estimer la quantité de nourriture journalière et quand est-il des différentes tailles de granulés? Alors, plusieurs questions dans la question. Tu veux répondre ou tu veux parler? Peu importe. Bah, je réponds vite. Il y a des calculs qui existent avec des pourcentages. Je les ai plus en tête, tout simplement parce que. Alors, je devrais les avoir en tête. Mais moi, je suis un peu comme la mamie qui fait son gâteau et qui prend des pincées d'ingrédients pour son gâteau. Je donne en fonction, là pour le coup, un petit peu de ce que je vois au niveau des poissons. Ce qui est important, de toute façon, à retenir, c'est que la nourriture, elle doit être mangée en quelques minutes. Si vous voyez après 10 minutes que vous avez encore de la nourriture qui flotte dans le bassin, oups, ça c'est déjà le premier indicateur, réduisez tout de suite la quantité que vous donnez. Après, il y a un calcul théorique qui existe, pourrait le retrouver et éventuellement on le mettra dans le chat. Puis, sur ce qui est taille des pelés, il y a des gros pelés, il y a des petits pelés. Nous, on travaille beaucoup le 5-6 mm. Et que ça soit pour les petits,
tossailles ou les grosses mémères du bac vitré, on donne le 5-6 mm. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de donner des plus gros pelés. Pourquoi ? Parce que ben, les petits pelés, ça va faciliter en fait l'absorption au niveau de la digestion. Ils vont être plus faciles à digérer. Et donc, le taux d'absorption en pourcentage des nutriments, pour moi, va être plus élevé. Ça, c'est une chose. Et alors, la deuxième chose qui est importante, et ça, c'était pas dans la question, c'est une petite précision que j'aimerais apporter, c'est, bah, y a le type, ça, je te laisserai répondre, tiens, ça, tu parles aussi. Et, moi, je vais plus parler de la fréquence de nourriture. Prenez, donc, imaginons qu'on ait ce calcul théorique sous la main, je sais plus le pourcentage, je vais éviter de dire une bêtise, mais vous prenez, voilà, vous calculez une quantité, ça va être une quantité journalière à donner à vos poissons. Mais attention, cette quantité, vous pouvez la donner en une fois, vous pouvez la donner en 10 fois. Quelle va être la différence? Si vous la donnez en une fois, vos coïs, s'ils ont faim, ils vont tout manger, sans problème. Sauf qu'ils vont, en fait, ils ont un système digestif qui ne permet pas, comme nous, les humains, de manger beaucoup en une fois et de réussir quand même à digérer le tout et à absorber les nutriments à un fort taux, un fort pourcentage. Donc, en fait, vous allez perdre beaucoup en absorption des nutriments. Et ça va se retrouver dans l'eau. Donc, c'est un peu bête parce qu'on pollue l'eau et puis les poissons, ils ont mangé beaucoup, c'est bien, mais ils n'ont pas réussi à absorber ça pour leur organisme. Le taux d'absorption va vraiment chuter. Si vous le donnez en plusieurs fois et en petite quantité, ça permettra justement au coï de bien digérer les aliments et donc le rendement, en fait, le résultat que vous allez avoir pour la même dose de nourriture donnée, mais il va être bien meilleur. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on conseille de donner la dose journalière en pleine saison. Vous pouvez donner 8 à 12 fois, vous pouvez la diviser en 8 à 12 fois par jour. Et ce sera parfait pour les poissons. On va parler des types de nourriture. Bah ouais, même chose. Donc ça relie un peu la dernière chose que tu as dit. Après la fréquence, il y a le type de nourriture. Parce que, comme vous l'avez tous remarqué, bah, vos poissons, ils sont sensibles à la température de l'eau. Hein. Leur activité est directement liée à la température de l'eau. Donc, il faut savoir que quand l'eau est à basse température, ben, la digestion du poisson est ralentie, tout comme lui en général. Et à haute température, il va avoir un plus grand appétit et sa digestion va être beaucoup plus efficace. Donc, rien ne sert de donner des nourritures fort protéinées en sortie d'hiver ou autre pour dire « je vais donner de la force à mes poissons », etc. C'est pas bon du tout. Parce qu'un peu comme l'histoire des fréquences, ben, il va pas du tout assimiler ce qu'il faut. Et vous allez polluer votre eau plus qu'autre chose et il va y avoir des dangers pour les poissons. Comme par exemple avec un abus de spiruline sur les reins, il peut y avoir des soucis sur les reins des poissons. Voilà, ce genre de choses. Il faut bien respecter les températures qui sont indiquées sur les paquets. C'est en général pas des imbéciles qui ont créé ces nourritures, les marques connues. Respectez bien les températures et le taux de protéines à donner à telle saison. C'est ça. Donc le rythme change en fonction de la température de l'eau. Il y a des cas d'exception. Par exemple, Arnaud, lui qui fait chaud ou froid, il mange toujours la même quantité. Exactement. Et le pire, le malheur dans tout ça, c'est que le taux d'absorption est élevé. C'est ça. Donc, il fait régime au Japon. J'ai pu le constater de mes yeux vus. Mais on n'a peut-être pas tout à fait la même conception du régime. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Et après, ça ne me regarde pas. Là, on mange 8 à 12 fois par jour. Alors, est-il d'installer un déprotéineur sur sa filtration? Alors, c'est quoi un déprotéineur? Un écumeur, voilà. Alors, c'est utile, je vais répondre peut-être à votre place, hein. C'est comme tout ce qui enlève des saloperies du bassin, ben, ça devient utile. Mais bon, ça c'est surtout utile pour des gens qui ont des très grosses surcharges dans leur bassin. Après, si vous avez une filtration qui est équilibrée par rapport à votre volume de bassin et par rapport surtout à la quantité de poissons que vous avez, c'est pas vraiment ça, c'est un plus, mais sans être exceptionnel non plus. Voilà. Le fait d'étaler le nourrissage va aussi réduire le taux de... Non, au niveau des protéines, ça restera la même chose. Hein, parce que, bon, une grosse partie des protéines absorbées par le poisson sont quand même rejetées après dans l'eau. Hein, y a une bonne partie. Donc, ce qui fait que, en finalité, on peut l'éliminer avec un écumeur. Donc, qui peut aider à éliminer ces particules plutôt que de les laisser digérer par le filtre, ce qui n'est pas toujours simple pour le filtre de le faire non plus. Alors, de Fabrice, salut Arnaud, excuse-moi, c'est Corentin, Biogro, ça stabilise le bassin. Ah, bon, c'est Corentin,
Biogros, ça stabilise le bassin. Ça stabilise le bassin. Ouais, le Biogros. Moi, je pense pas que ça stabilise vraiment le bassin, ça permet de l'équilibrer. Il y a une des bouteilles qui a un peu le Ça stabilise quoi? Ben voilà. Ça stabilise quoi? Donc, c'est pas très clair comme message. Biogros, ce sont des bactéries, donc ça stabilise le taux d'ammoniac, le taux de nitrite, en tout cas, ça les réduit et ça va les amener, voilà, pour autant des bactéries et de la surface active à laquelle s'accrocher. Évidemment, ça va réduire cette eau-là. Donc, dans un sens, on peut dire que ça stabilise le bassin. C'est ça. Et voilà, stabiliser quel paramètre? Bah, voilà. Donc, stabiliser, c'est un grand mot. Je pense pas que c'est approprié. Ça, l'équilibre, ça le rééquilibre, mais le stabiliser, c'est autre chose. Stabiliser, ça veut dire que les valeurs ne bougent pas pendant une longue période de temps. Et ça, ça ne le fait pas. Ça, c'est certain. Alors, Derek Lobry, bonsoir les gars, bonsoir papy. Que donner en complément de la nourriture, fruits, ail, etc. En complément de la nourriture. Moi, j'ai un berger malinois. Quand j'allais au dressage avec lui, on me disait tu donnes que des croquettes. Je pense que le chien, de toute façon, pour être en bonne santé, il a besoin que de ses croquettes. Donc, vous donnez les pelés, peu importe la nourriture que vous allez donner à vos poissons, c'est largement suffisant pour qu'ils soient en bonne santé. Après, tout le reste, c'est à vous que ça va faire plaisir. C'est comme quand vous donnez un petit bonbon à votre chien. Ça va faire plaisir à vous de donner ce bonbon au poisson. Alors après, effectivement, il y a certains aliments qui vont être meilleurs que d'autres. On peut donner aux étudiants qui ont donné des oranges. L'ail, on en entend souvent parler. Personnellement, je n'ai jamais donné de ça. C'est omnivore, hein, un poisson. Il y a juste quelques aliments qu'il vaut mieux éviter. Moi, je trouve que tout ce qui gonfle, en fait, hein, tout ce qui est pain, baguette et tout ça, je ne suis pas fan parce que ça gonfle dans le estomac. Mais pour le reste, vous pouvez le donner, à part, voilà, c'est pour vous, c'est pas nécessaire. Ouais, faut pas arriver à mettre des résultats dans les temps. Ce qui est souvent ce que je dis, pour ceux qui veulent donner une petite vie en guise ou quoi, c'est de donner tout ce qui est, par exemple, verre à soie ou ce genre de choses, parce que là, c'est rempli de protéines, c'est super bon pour eux. Voilà. Bon, c'est des cols, c'est pas des poules, hein, donc on jette pas n'importe quoi. Non, mais évidemment, tu m'as bien compris. Non, attends. On va pas jeter les frites dans le bâtard, Alors, Eric, moi je vais te donner un truc qui est fabuleux pour l'instant. Moi, tous les jours, quand je passe à côté de l'écran, à côté de l'étang, pardon, et ça m'arrive souvent sur une journée, je crache un coup dedans, comme ça, ils sont un complément, ça s'appelle. Du coronavirus. Ils apprécient énormément. Donc, du coup, mes poissons sont en quarantaine. Tu vois, je ne sors plus de l'eau. Donc, ils sont obligés de rester dans mon bassin. Ouais, ils sont verrouillés. Ceux qui veulent les piquer, ben, bonne chance. Hein. Voilà. C'était la mauvaise blague du jour. Hein. Bon, il y a des jours comme ça où je suis moins bon que d'autres. Mais bon, ça arrive. Qu'est-ce que tu veux? Alors, de Cindy, comment peut-on éviter les bouillons avec ma filtration quand l'eau retourne au bassin et je suis en mode pompage? Merci. Les bouillons, ça veut dire tout simplement qu'il y a, un appel d'air. Il faut repartir avec plusieurs sorties, simplement, hein, ça évitera d'avoir un seul endroit, ou bien alors faire aller l'eau sous le niveau de l'eau. Voilà. Donc, le tuyau, au lieu de le faire sortir au-dessus, on le fait sortir sous l'eau. Mais ça, il faut qu'on soit certain que le tuyau est bien dégazé avant. On peut peut-être parler de l'écume de protéines, en fait. Hein, peut-être ça aussi. Ouais, c'est quoi le bouillon? Le bouillon, ça fait un gros remous, quoi, si tu veux. Ouais, on peut dire le remous. Mais le remous, ouais, mettre le tuyau dans l'eau. Par contre, attention, hein, faites attention que le tuyau ne soit pas saillant. Hein, parce que des fois, les poissons aiment bien vouloir aller à contresens de l'eau, qui laissent blesser dans le bout du tuyau. C'est ça, mais enfin bon, il y a des passe-parois qui existent aussi, hein, donc... J'avais à le dire parce que ça, c'est un cas hyper fréquent aussi. C'est ça. Alors bon, c'est difficile à répondre à cette question, il faut voir un petit peu la situation sur place, hein, Cindy, voilà. Alors, de Louis Goua, salut Pascal, je suis en des Ardennes, à la frontière belge. Connais-tu une bonne adresse pour acheter des koi? Près des Ardennes... Alors, pas loin en Belgique, il y a beaucoup d'adresses. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, bah, tu peux toujours faire un coucou à Francis, hein, de Nayade, du côté d'Arlon.
Donc voilà, ça c'est trois frontières. Bon, c'est pas une, c'est trois. Désolé, je peux pas faire moins. Il y en a trois. Voilà, c'est comme ça. C'est immuable. Hein, voilà. Mais pour l'instant, je crois pas qu'il a des masses de coille chez lui. Donc, comme tout le monde, c'est fermé de toute façon. De toute façon, pour l'instant, ouais, donc voilà. Alors, de Karachi, n'y a-t-il pas un risque de déstabiliser l'équilibre biologique d'un bassin en utilisant du GH plus ou du KH plus? Oui, c'est-à-dire que, en fait, on peut utiliser du GH plus, et c'est même conseillé de le faire, pour remonter le KH ou le GH, mais seulement, on ne peut pas le faire de manière, avec des grosses quantités de KH plus et de GH plus. Donc, quand vous faites une correction de GH ou de KH, il faut le faire progressivement. On monte pas, si vous êtes à 0 et que vous voulez monter à 7, on fait pas de 0 à 7 en une fois. Hein. On y va par palier, 1 ou 2 degrés par jour. Hein. C'est pas quelque chose à rajouter? De manière générale, tout simplement retenir que l'écueil déteste les variations brusques. Brusques. Ouais. Voilà. Tiennent des plages, que ce soit n'importe quel paramètre qui tienne pour un poisson, des plages très larges. Je vais prendre l'exemple de la température, 0 à 35 degrés, on n'aura pas de problème. Mais ils détestent les variations brusques. Donc, quoi que vous fassiez dans votre bassin, le but, c'est de ne jamais faire de variations trop brusques. Alors, j'ai nettoyé mon bassin il y a une semaine et le fait d'aspirer le fond a troublé mon eau. Et le lendemain, le tambour a tout remis en bon ordre. Mais quoi, ne risque-t-il pas d'être malade? Si ça a duré très peu de temps, non, le risque quand on remue comme ça parfois, c'est d'avoir un petit peu de variation au niveau de l'ammoniac et tout ça, ça dépend un peu ce qu'il y a dans les bouts de fond. En fait. Bon, le risque, non, il n'est pas plus que d'habitude, je dirais. Hein. Bon, il n'y a jamais un risque zéro, mais enfin, bon, de là à dire que parce qu'on a nettoyé le bassin, qu'on a remué, ça crée vraiment un problème pour la personne. Donc, si les paramètres de l'eau sont bons, ça devrait aller. En plus, il y a un tambour, donc ça devrait sûrement aller. Donc, il n'y a pas de problème. De Rick, j'ai une Kiritsuri Matsuba Shiro et Sankei. Je dois éviter la spiruline. Kiritsuri Matsuba, Shiro et Sankei. Pour le Shiro, ça dépend. Ça peut parfois faire sortir du même sur les Kiritsuri, voire du. Sur les Kiritsuri aussi, ça dépend parfois la provenance du Kiritsuri. Il y a certains qui sont plus fragiles que d'autres. Mais c'est un risque. Oui. En fait, sur même un chiro, hein, ça dépend de la quantité de spiruline qu'on donne. Si on donne trop de spiruline, le chiro devient rose. Hein. Donc ouais. Voilà, il faut être parcimonieux dans ce qu'on fait. Et un petit rappel pour la spiruline, ne jamais donner de la spiruline avec une température d'eau, j'insiste bien, température d'eau inférieure à 20 degrés. Ils ne peuvent pas métaboliser la spiruline en dessous de ces valeurs. Donc c'est tout ce que vous donnez comme spiruline, sous la barre de 20 degrés, ça va simplement mettre très longtemps à être digéré. Ils seront avec un estomac lourd, comme on dit, et puis ça va rien apporter, donc ça ne sert à rien de le faire. Alors, pour les changements d'eau de 30%, tous les combien? Alors là, les changements d'eau de 30%, c'est quand on est dans une situation un petit peu désespérée. Quand je vous dis de changer 30% d'eau et qu'il faut le faire vite, il faut le faire vite. Le problème, c'est que les 30% d'eau, on ne les change jamais. On fait des changements d'eau beaucoup plus parcimonieux que ça. On parle de changements d'eau, soit en continu, en très petite quantité, pour arriver à 10% par semaine. Voilà, ça c'est idéal. Mais bon, ça c'est la situation idéale. Voilà. Alors si vous faites déjà 5% par semaine, je serais déjà très content, parce que la plupart ne font pas. Donc c'est ça le problème. Donc tous les combien, c'est tout le temps. L'idéal, il n'y a pas d'idéal, soit on fait un changement d'eau une fois par semaine de 10%, soit de 5% à la valeur que vous avez choisi, ou bien on fait un changement continu, on répartit sur la semaine avec un débordement. Exact. Sachant que je préfère la première option, c'est-à-dire faire un changement d'eau plus important en un jour. Pourquoi? Parce que en été, il y a une évaporation, et si on répartit les 10% sur la semaine, il n'y a pas de changement d'eau. Parce que l'évaporation aura consommé toute l'eau qu'on aura rajoutée dans le bassin par les temps chauds. Donc je préfère qu'on enlève et qu'on remette vraiment une bonne quantité d'eau fraîche dans le bassin. Enfin, ça c'est ma perception. Un commentaire supplémentaire, monsieur? Non, t'as tout dit. On peut aller prendre l'apéro, on te laisse parler.
Ben écoute, ben, la question de prendre l'apéro, c'est bien de me le dire comme ça c'est sympa, mais au moins tu aurais pu apporter une bouteille avec autre chose que de la flotte, hein. Déjà, Écoute, tu risques, si l'apéro, tu veux que je te l'envoie par messenger? tu risques déjà des problèmes, hein. Tout de suite, tu fais un AVC avec toute cette eau, hein, ça va pas le faire, ça, hein. Ton corps n'a pas l'habitude, hein. Avant, quand on te voyait, on regardait ton nez, on avait la température, mais maintenant, ça va plus le faire, hein. Bon, alors on va passer aux questions suivantes. Alors, ben je sais plus où ce que j'en ai. Alors, je ne suis d'Eric. Je ne suis plus très au fait des mesures prises en Belgique concernant les conditions de vente possibles et imaginables pour des gens comme vous. J'explique, que pourriez-vous après accord préalable? On ne prend pas la question. Pas compris. Les mesures prises, ouais, mais. Ouais. Conditions de vente possibles et imaginables pour des gens comme vous. Expliquez. Les conditions de vente pour nous, elles sont simples. On est ouvert parce que évidemment, on a tous les produits de première nécessité, comme Corentin l'a expliqué tout à l'heure. Donc voilà, on est là et puis évidemment, on va pas laisser des poissons mourir parce qu'on ferme pour se confiner. Hein. Bon, on n'a pas le choix. On est voilà. Par contre, évidemment, tout ce qui est en voie de poissons est complètement bloqué. Il n'y a pas de transport de poissons à l'heure actuelle. Donc, voilà, pour ça, il faudra attendre la fin du confinement. C'est ça. Alors, pour Nono, j'ai passé sa question. Ben, je suis désolé, Nono, bien sûr, tu l'as remis en bas, parce que si je remonte, je vais certainement plus retrouver le fil. Hein. Donc, Johan, l'argile peut-il aider à augmenter et à maintenir le KGH et le pH? Je vais répondre à la question, elle est simple, hein, c'est non. La réponse, ça n'apporte rien, ça apporte au système digestif des poissons, mais l'influence que ça a au niveau des paramètres de l'eau, c'est rien du tout, donc ça n'apporte rien. Alors Eric, pour passer un accord client-vendeur, par exemple, pompe et autres matériels nourriture, produits de soins, paiement préalable, ou sommes prévus de commun accord et échange devant le magasin à un endroit? Oui, il y a. Bon, ça, c'est toujours possible. Je veux dire, nous, ici, en fait, en Belgique, c'est un client par 10 mètres carrés, ça, c'est les mesures. Nous, ici, on a plus ou moins 2000 mètres carrés, donc on reste très à distance. Ça, il n'y a pas de souci. On évite que les clients puissent toucher les articles et tout ça. Comme ça, nous, on gère cette partie-là. Ça, c'est la méthode. Eric va absolument venir chercher son matériel. Mais après, nous, on a mis en ligne très récemment un lien, en fait, vers un petit webshop. Donc, on fait les envois. Hein, les envois de tout ce qui est produits de soins, matériel, nourriture et tout ça est actif comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. C'est juste les envois de vivants qui sont bloqués. Donc, voilà, si Eric veut voir un petit peu ce qu'on a en catalogue, ben, c'est sur www.japan, comme Japon en anglais, japan-koi-shop.com. Voilà. Et c'est disponible sur notre Facebook. Et là, vous avez notre catalogue qu'on refournit en plus tous les jours. On est en train d'ajouter des nouveaux articles là tous les jours pour que ce soit le plus complet possible. Vous pouvez passer la commande, vous payez en ligne de chez vous et ça arrive chez vous. C'est la solution qui est, la plus recommandée pour prendre le moins de risques possible. Ouais. Alors, Gilbert, y a-t-il intérêt à mesurer les valeurs TDS pour un bassin? Si oui, quelles sont les bonnes valeurs? Merci pour la réponse et vos lives. Bah, les TDS, allez, c'est ce qu'on utilise avec les ozonisateurs. On mesure quoi avec l'ozonisateur? Je dis le TDS. Y a-t-il un intérêt à mesurer la valeur du TDS pour les bassins? Je reviens plus sur le terme. TDS, pour régler l'ozone, on utilise quoi encore? Un ozonisateur. On utilise une valeur, je ne reviens plus dessus. Il n'y a pas d'intérêt à mesurer le TDS, sauf dans le cas où on a un ozonisateur, ce qui permet éventuellement de l'arrêter, de le redémarrer pour maintenir une valeur. Mais en tant que tel, ça n'a aucun intérêt. On n'utilise pas cette valeur
comme paramètre de l'eau pour un bassin en temps normal. Voilà. Alors, D'Antoni, bonjour, merci pour votre efficacité. J'ai une coille qui est très malade. Si je fais un bain de sel, elle a un voile blanc. Les nageoires qui pourrissent, mon eau est à 10 degrés, comment faire? Pourriture des nageoires, c'est déjà fort avancé. Numéro 1, frottis, idéalement. Hein, au moins savoir ce qu'on traite. Pourriture de nageoires, après, ça va être bactérien. Mais il faut pouvoir traiter quand même la cause principale. Alors, à l'entendre comme ça des symptômes, on verra, mais faudrait voir le frottis. Mais il y a grande chance qu'il y ait un peu de costia dans l'histoire. Hein. Ouais. C'est compliqué, Anthony, il faudrait contacter, je sais pas où tu habites, essayer de voir. Il faudrait voir avec un spécialiste comme Japan Koi, par exemple, hein, qui puisse faire un frottis, etc., de voir de plus près ce qui se passe, hein, ou appeler un vétérinaire, parce que comme ça, on est déjà dans une situation qui est relativement dégradée. Donc voilà, on ne saura pas t'aider comme ça par live interposé. Jérémy, bonjour à tous. Hier, j'ai trouvé mes koi bizarres. De ce fait, j'ai effectué un test rapide, nitrite zéro, ammoniac, vert foncé, test à goutte. De ce fait, j'ai fait un changement d'eau de 30%. Est-ce qu'il faut que je fasse un bol de biota? Alors, plusieurs choses. Est-ce que les koi ont été nourris ou pas? Ça, il faut voir, pour comprendre déjà ce qui se passe. Les températures de l'eau, même chose, pour voir si on peut mettre déjà le biota. Bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça ne fait jamais tort. Ça ne sait jamais être mauvais, d'en mettre. Au pire, elles ne tiennent pas. Mais ça ne sait jamais être mauvais. Changement d'eau, 30%. À mon avis, si c'est vraiment vert foncé, il y aura encore de l'ammoniac. Donc, il faudra peut-être prendre une mesure d'ici quelques jours et vérifier s'il n'y a pas un autre changement d'eau qui est nécessaire en fonction du taux de concentration. Et alors, ben voilà, c'est là où je suis un peu étonné d'avoir un pic d'ammoniac comme ça à ce moment-ci. C'est que soit les coyons ont été nourris avec une bio qui n'a pas été relancée, soit c'est de l'ammoniac résiduel, mais c'est un peu bizarre d'avoir ce pic comme ça. Sauf si les températures se sont fort réaugmentées dans la région où est cette personne. Alors, bon, changement d'eau de 30%, c'était pas vraiment une bonne idée. Faites des changements d'eau à 10%. Et puis 30%, c'est quand on vous l'indique, parce que si vous faites des changements d'eau à tort et à travers comme ça, ça ne va pas le faire non plus, hein, ça va déstabiliser le bassin et tout. Donc après, il a dit aussi, est-ce qu'un peu de feu au fond peut faire grossir une grosse montée? Non. Donc, est-ce qu'un peu de feu? Il peut faire une grosse montée de l'ammoniac parce qu'il y a des feuilles dans le fond. Non, ça ne fera pas de montée. Donc les feuilles dans le fond ne font rien de particulier, de négatif. Donc voilà, sauf si... J'aimerais bien savoir c'est la température de l'eau. On n'a pas la température. De GG, bonjour. Peut-on coller une pièce pression en 63 sur un tuyau souple renforcé 63? Quelle est la technique? Une pièce pression en 63 sur un tuyau souple. Il y a des tuyaux souples avec une pellicule intérieure qui sont faits exprès pour être collés sur du PVC rigide. Maintenant, il faut faire attention. Les tuyaux noirs basiques, en général, non, c'est mieux de travailler des colliers de serrage. Maintenant, si on travaille avec du tuyau plus type piscine, ils ont un pelliculage à l'intérieur qui permet le collage, donc notamment les tuyaux Amazon. Avec ce genre de tuyaux, on peut coller sur du PVC avec. Le simple fait de mettre un tube 63 mm dans un tuyau soupe noir 63 mm avec un collier de serrage, il n'y a pas de problème théoriquement maintenant. Voilà, un cas n'est pas l'autre, mais attention qu'il y a des tuyaux qui n'ont pas résisté à la colle. C'est ça. Alors, pour un nouveau bassin, quand doit-on mettre les bactéries? Dès le début, après 15 jours, après un mois? Quant au démarrage, quoi, donc un nouveau bassin, tu mets les bactéries après combien de temps? Si c'est un nouveau bassin, déjà, c'est ce que je vois souvent le cas, mettre les bactéries, c'est bien, mais il faut leur donner à manger. Donc soit on met quelques poissons, ce que je conseille en général, c'est de mettre quelques petits poissons au moins pour avoir une production, parce que si dans un bassin parfaitement vide et propre, on met des bactéries, ces pauvres bactéries, elles n'auront pas de quoi manger, donc elles ne vont jamais se déployer.
Donc ça veut dire qu'en fait, c'est tout un, c'est une courbe de croissance où les deux choses doivent être équilibrées. Il faut un petit peu de pollution pour permettre aux bactéries de se nourrir et de se déployer. Et en même temps, mais il ne faut pas trop de pollution d'un coup parce que sinon, elles ne reprennent pas. Donc voilà, je pense qu'il faut démarrer doucement. Encore une fois, là, là va être l'importance de, des tests d'eau pour pouvoir vérifier cette phase de démarrage. Et puis tout dépend aussi de la taille du bassin. Si c'est un bassin, un tout petit bassin, ou si c'est un très gros bassin, ça ne va pas être la même manière. Alors, Dejohan, que pensez-vous des static beds pour une préfiltration? Tu connais ça? Les static beds, c'est ce qu'on appelle un filtre anoxique. Oui, non, je ne connais pas bien la technique des filtres anoxiques. Alors, je vais expliquer ce que c'est le filtre anoxique. Et ouvrez bien grand les oreilles, parce que croyez-moi que ça va vraiment être très important ce que je vais dire. Et retenez bien ce que je vais vous dire. J'ai eu l'occasion de voir un mec qui avait un filtre anoxique comme ça, et qui était à la septième merveille du monde. Et puis, je lui ai dit, oui, mais quand tu dois nettoyer ce machin-là, parce qu'en fait, c'est quoi le principe? On met des calmesses et consorts sans mouvement, donc tous ces calmesses remontent, et à un moment donné, un biofilm qui s'est créé en dessous, mais c'est un biofilm d'anaérobie, puisqu'il n'y a plus d'oxygène qui est apporté. Donc, et je dis, pour tout régulièrement, il faut casser ce biofilm, sans quoi ben, tout est bouché et puis ça fonctionne plus. Donc, je dis, t'as jamais de problème? Non, qui me dit, regarde, c'est facile, etc. J'ai mis une pompe de 200 litres minute, il fait un truc, c'était un geyser, c'est, je croyais que vous trouvez aux États-Unis, dans Yellowstone. Je dis, ouais, là, pour être cassé, il est cassé, le top quoi, hein. Donc ça filtre quand même à 4 microns, il faut le savoir, hein, un filtre anoxique, un pré-filtre en anoxie. Et je dis, il n'y a pas de problème avec ça, maintenant il faut bien vider tout ça, bien rincer tout le bazar, ouais tu vas voir, etc. Regarde, tac, tac, et paf, il se trompe d'une vanne, il envoie la purée dans le bassin, et bien une semaine après, il n'y a plus de poisson. Ça, c'est le filtre anoxique. Ne jouez pas avec ce machin-là. C'est une bombe à retardement. Si vous faites la moindre erreur de manipulation, vous balancez des mégatonnes d'anaérobie dans votre bassin. Tu sais ce que ça veut dire, Arnaud, hein? Balancer des mégatonnes d'anaérobie dans un bassin, c'est tous les pathogènes qui viennent avec et tout le reste. Vous ne les récupérez pas. Vos poissons commencent à montrer les premiers symptômes en 2 jours et au bout d'une semaine, c'est l'hécatombe. Ne touchez pas à ça, c'est le bon conseil que je vous donne. Tous les mecs que j'ai vus hein, qui ont utilisé des techniques un petit peu loufoques dans ce style-là se sont retrouvés avec le nez dans le mur parce qu'à un moment donné, ben, ça pète et on peut plus gérer. Donc faites très attention à ça. C'est très bien, ça filtre très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais bon, après, c'est une bombe à retardement, hein, donc ne jouez surtout pas avec ça. C'est un truc que je ne peux que vous déconseiller. Alors, pour Karachi, Arnaud et Corentin, impatient de voir le live prévu sur le sexage des coilles. Je suppose que c'est pas un live, que c'est une vidéo que vous voulez faire. On fait des petits lives un peu, plus ou moins tous les 2 jours. On fait un petit live de 20 minutes ici au magasin hein, pour passer un peu le temps du confinement pour tous les gens qui vivent. Et c'est vrai que le dernier qu'on a fait, on a un peu brainstormé avec les gens et il y avait quelqu'un qui avait lancé l'idée du sexage de poissons. Donc on avait dit, ben oui, pourquoi pas, le prochain, on fera ça. Donc voilà, à suivre. Sur des ossailles. Sur des petites ossailles. Sur des albins. Ah oui, parce que bon, sur des alvins, c'est quand même plus sympa. Hein. Donc, c'est un petit peu comme la star des voyants. Là, hein. Bon, sachez que pour ne pas se tromper, en tous les cas, un tossail, c'est pas possible de le sexer. Donc, ça, c'est déjà une chose qui est certaine. Donc, voilà. Alors, Dolorant, bonjour. Pourquoi les différences de prix qui vont du simple au double au niveau des produits KHGH+, en fonction des marques, y a-t-il une différence justifiable au niveau de la composition? Ça, c'est une bonne question. Je crois que chacun a sa politique commerciale, et que bon, les produits probablement sont à peu près les mêmes, ne doivent pas être très différents. Hein. Donc, pour faire monter le KH, on sait très bien quels sont les produits actifs, donc ça va être quasiment la même chose pour tout le monde, donc une politique commerciale n'est pas l'autre, et ils te répondront là-dessus. Il y a la recherche, hein.
sur des produits qui sont faciles à trouver dans le commerce. Et puis, il y a toute la recherche sur l'emballage et le marketing, hein, qui fait la différence de prix aussi. Donc, et après, bon, voilà, il y a surtout, alors, tous les mégatonnes de pognon que vous ne faites pas. Ouais, donc, après, les marques ont des prix parfois différents. Maintenant, comme tu dis, ça dépend de leur marketing, de leur présence sur le marché, de plein de choses, concentration, plein de facteurs. Ouais. Alors, Christine, bonjour, que pensez-vous du produit Microblift Clean et Clear? C'est un très très bon produit, c'est un truc qui est vendu par Cibo, ça, qui est, ou ça, ouais, de toute façon. Ouais, nous on l'a utilisé beaucoup, maintenant un peu moins. En fait, c'est un très bon produit, mais tu as les deux, tu as le filter start et tu as le clean and clear. Mmh. Pour avoir les résultats, il faut vraiment utiliser les deux. Moi, j'ai déjà remarqué dans certains cas l'utilisation du filter start seul. Et souvent, on a eu des soucis avec des bits de nitrite qui ne descendaient pas. Donc, au niveau des compositions de produits, il doit y avoir plus d'une bactérie que de l'autre dans une bouteille et inversement dans l'autre. Et il faut vraiment utiliser les deux, en fait. Alors, comment faire pour augmenter durablement mon KH et GH? Alors là, c'est une question qui apporte une réponse simple, il n'y a pas moyen. Le GH, certainement qu'il y a moyen de le stabiliser plus ou moins. Le KH est impossible. Tout simplement parce que naturellement, si on ne met pas de poisson, on prend un simple aquarium, on remplit de l'eau, on ne fait rien, on ne met pas de bulle, on ne met pas de pompe, on ne fait rien, on mesure le KH, qui aura une valeur par exemple de 7 de KH, et qu'on ne touche à rien, vous allez voir que le KH va se dégringoler jusqu'à 0. Et c'est comme ça, c'est la nature qui veut ça. Donc il n'y a pas moyen de le stabiliser durablement, ça n'existe pas. Il faudra toujours à un moment donné compenser. Mais je dirais que la meilleure façon de compenser le KH de manière durable, c'est de faire régulièrement ces changements d'eau. Avec les eaux dures qu'on a en Europe en général, c'est dans la majorité des cas, sauf quelques exceptions, ça permet de maintenir son KH à des valeurs acceptables, sans problème. Quelque chose à rajouter? Non. C'est dans ce cas-ci du KH plus. Rien d'autre. ou alors c'est creuser un deuxième bassin, la taille du bassin, et mettre les coquilles d'huîtres comme au Japon. Oui, mais bon, c'est aussi un petit peu. On mange beaucoup d'huîtres. Ouais, ouais. C'est aussi bien chercher au restaurant, le problème, ils sont tous fermés. Donc, ça va faire une pénurie pour le KH aussi. Là. À quand un live sur les filtres à grille inversée? Ça craint pas d'arriver parce que, bon, faire un live sur des extérieurs, etc., ça va être compliqué. Donc, les filtres à grille inversée, c'est un truc qui a été développé par Coy Vrinden. Et bon, ils sont très loin de chez moi et je ne rends visite à personne. Donc, ça, c'est pas pour demain la veille. Alors, faut-il un changement d'eau aussi en hiver? On peut espacer les fréquences et le volume de changement d'eau, mais de temps en temps, en faire un, il ne faut pas de tort. Hein. Okay. Donc, alors, Dominique, le bassin fait 20-30 mètres cubes, je ne sais plus qui était l'origine de la question. Jérémy, en sachant que je change 10% toutes les semaines. S'il change 10% toutes les semaines, tout est bon. Merci Patrick, c'est juste une question comme une autre. Oui, forcément, je ne sais pas quelle est la question. Merci pour ce live, à demain. Alors, Diane, bonjour, j'ai réalisé un bassin de 6 mètres cubes, je suis encore un amateur. J'ai acheté une pompe de 6 millilitres l'Oase, c'est un bassin avec une fosse de 1,10 m. Dois-je mettre celle-ci au fond ou plutôt à 50 cm? On a dit qu'il faut la surélever du fond, la pompe. Hein. 50 cm, ça me paraît fort surélevé. C'est ça, prends la hauteur de ton plus gros koi et tu prends une sécurité, tu la mets un peu au-dessus. Simplement, c'est que tes koi, au cas où il y aurait quelque chose qui arriverait sur un des tuyaux, c'est que tes koi restent dans l'eau. Il y a deux doigts de dire, moi je pense qu'il faudrait scotcher la pompe sur le dos d'un poisson. C'est pas ça, mais il vient de commencer. Donc si il fait ce que tu dis, il met sa pompe à 2 cm, hein, parce qu'il doit avoir des poissons microscopiques. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai dit, tu prends une sécurité. Vraiment, enfin bon, on aime bien rigoler, ne vous inquiétez pas.
Alors pour un nouveau bassin, à quel moment doit-on commencer les changements d'eau? Déjà pour commencer, il faut déjà voir Donc, il n'y a pas une étape, quel pas type de une étape. filtration. Déjà, ça commence avec ça. Il faut savoir que bien souvent, il y a des gens qui se retrouvent avec des nitrites et qui n'arrivent pas à démarrer leur filtre, notamment avec des tapis japonais. Pourquoi? Parce qu'ils mettent les bulleurs à fond la caisse dedans et ça ne marche pas. Donc il faut déjà un certain temps pour qu'un nouveau bassin s'installe. Quand c'est une toute nouvelle eau avec un tout nouveau bassin, à mon avis, on ne commence pas les changements d'eau avant qu'on ait une stabilisation au moins et qu'on est arrivé à des nitrites à zéro. Donc ça sous-entend qu'on a déjà des poissons dans le bassin, etc., etc. Donc ça sert à rien de vouloir courir. L'eau ne va pas pourrir dans les 2 jours qui suivent l'introduction, hein. Donc prenez votre temps. Il faut surtout que le filtre devienne actif. Et la seule façon de le voir, c'est que le pic de nitrite a disparu et se maintient à zéro. Et dans ce cas-là, on peut commencer à faire des petits changements d'eau. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Arnaud et Corentin. T'as tout dit. C'est bien de rappeler encore une fois l'arrêt des bulleurs en phase de démarrage pour permettre une accroche plus facile. Après, pour le reste, bah, moi je dirais qu'une des manières de le voir, c'est peut-être le taux de nitrate. Tant que le taux de nitrate reste très bas, ça veut dire qu'on est encore en phase de démarrage. Et puis à un moment donné, ces nitrates vont monter. Puis quand on va arriver vers des valeurs 20, 30, il sera tôt assez de commencer les changements d'eau. Ouais. Alors ici, Dominique, c'est un nouveau bassin tapis JAP. Hein, tapis JAP, je dis, il ne faut pas mettre les bulleurs en route, sans quoi ça va mettre très longtemps avant de vouloir vraiment démarrer. Alors, de Benoît, je mets la nourriture pour mes koi à tremper avant de leur donner. Ça est-il bien ou pas? Ça n'a aucun intérêt de les faire tremper avant de leur donner à manger. Tu fais pas tremper ta bouffe, toi, avant de la faire de leur donner à manger, quand même. Non, tu vas bientôt la mouliner, toi, mais. Ah, ouais. Non, mais ça, c'est pas les koi, c'est moi. Il n'y a pas d'avantage. J'ai aussi fait un dégainage à côté de 2 mètres, 2 mètres cubes, je suppose, à peu près. Est-ce qu'il servira beaucoup? Le lagunage? Ben, lagunage, il faudra qu'on fasse une émission spéciale sur le lagunage, comment le faire correctement, etc. Et il y a beaucoup de choses à dire, du bien, du moins bien sur le lagunage. Donc, voilà. Alors. Très bien. Il faut que ce soit vraiment bien fait, parce que sinon, ça devient vite une bombe à retardement. Ben, ça devient vite surtout compliqué à gérer. Alors, pour une installation avec bombe de fond inversée, quelle pompe conseillez-vous? Quelle installation idéale? Technique, merci. Pour Corentin, ça, hein, pour une installation avec bombe de fond inversée. On n'utilise pas les bombes de fond inversées, nous, on est un peu vieux de la vieille, bon vieux bassin gravitaire avec les bombes de fond dans le fond classique, pré-filtration, tambour ou gris, quoi. Donc, je vais pas avancer sur le sujet, on aura sans doute une pompe résistante parce que avec une bombe de fond inversée, tu n'as pas de pré-filtration, il me semble. Bah, ça veut dire que ça fonctionne, hein, mais bon, c'est quand même pas l'idéal. Si on a l'occasion de faire un bassin à gravité, autant le faire complètement à gravité, pas utiliser les bondes inversées. Hein. Bon, en général, on met les bondes inversées pour des bassins qui étaient en pompée qu'on veut faire passer en semi-gravitaire. On pourrait en fait faire une solution, ouais, mais une quasi-gravité, mais qui n'est pas. C'est ça, mais il faut toujours bien avoir une préfiltration. C'est comme je vois des fois les gens dire qu'ils bricolent pour brancher un Skimmer sur une pompe. Ben voilà, il faut toujours faire attention aussi aux dégâts sur le rotor de la pompe. Ouais. Alors, je vais répondre aux 2 dernières questions ici, et puis après, on va tout doucement clore cette session. Donc bonjour, j'ai actuellement un bassin de 20 mètres cubes, je l'agrandis avec un autre bassin à côté de 40 mètres cubes. Ils seront reliés par un passage 50 cm de profondeur. Comment remplir pour ne pas perturber l'écueil et paramètres? Ça, c'est pas très compliqué, hein. En fait, il suffit dans ton passage de mettre une vanne. Et puis voilà. Il y a Ouais, pas. mais il faudrait faire attention au projet à ce que l'eau soit bien brassée, enfin qu'il y ait un bon brassage de l'eau dans le bassin, parce que là, à visualiser comme ça va faire 2 bassins avec un tout petit rigole entre les deux. Ouais. Et au niveau
des mouvements dans l'eau, du brassage de l'eau, ça va pas être idéal, je pense. Oui, mais ça, c'est un concept global. Moi, je conseille toujours de renvoyer un petit schéma de ce que vous voulez faire, parce que bon, il y a moyen dans des agrandissements comme ça de faire vraiment un tas de conneries. Donc, voilà, peut-être que, ben, cher Nicolas, envoie-nous un petit dessin de ce que tu souhaites faire et puis qu'on. Oui, n'hésite pas à nous envoyer un petit croquis vite fait sur Messenger ou sur une page Facebook à l'un ou à l'autre. Ouais. Et de manière générale, Patrick, je vais en profiter quand même pour le rappeler. Pour tous les gens qui ont des projets ou qui sont en train de travailler sur leur bassin, ou n'hésitez pas à demander des conseils. Vous pouvez nous contacter par message, par téléphone, poser les questions, et ça permet de, voilà, de vous donner les bons conseils au moment où c'est opportun et pas trop tard. Alors, Denis Hardy, bonjour. Quel budget au mètre carré faut-il prévoir pour un bassin en résine polyester? Alors, moi, je dirais le budget mètre carré pour le prix du polyester placé, ça il y a moins de données. Faire le bassin, ça c'est une autre histoire, tout dépend de la filtration qu'on va mettre dedans, il y a tellement de possibilités que c'est pas possible. Donc le prix du mètre carré du polyester placé, ça te s'est donné, Corentin? Oui, c'est 60€ hors taxe au mètre carré, hein, avec la main d'œuvre, la préparation du polyester. Donc un cimentage adéquat, plus la pose de la résine, on est à 60€ hors TVA du mètre carré chez nous. Maintenant, on a choisi de travailler avec des polyesters, avec une résine de haute qualité aussi. On travaille avec la résine isophtalmique. Et même chose pour le top coat, la résine isophtalmique, sur le long terme, ça évite d'avoir une certaine pourriture de la fibre si vous avez une zone marécageuse et qu'il y a de l'eau un peu ascendant. Ouais. Donc voilà, nous on travaille avec des matériaux de haute qualité. La fibre, pour ceux qui connaissent, c'est de la chouchi, en 2 x 450 grammes en place, nous. Donc c'est une des meilleures marques sur le marché au point de fibre de verre, donc voilà. Alors de Denis Launay, parce que bon, lui c'est un cas particulier, hein, j'adore ce mec, donc c'est un très gentil. Salut monsieur. Denis, que tout le monde apprécie énormément, que je salue, que j'ai eu l'occasion de rendre visite chez lui à la maison. Il veut absolument avoir un live sur les frottis, messieurs. La question, il n'a pas posé la question complète, hein, en fait. Est-ce que tu veux un live sur les frottis à base de hache ou bien de tronçonneuse? Moi, je veux bien le faire. Le problème, c'est qu'en live, c'est compliqué pour diffuser. Enfin, nous, comme on fait les lives sur Facebook, c'est dur de diffuser la vidéo en même temps. Et faire un live ou une vidéo sur les frottis sans diffuser les frottis, c'est compliqué. Donc, papy, ce que je te propose qu'on peut faire, c'est le faire voir un peu avec toi. Si tu as les solutions pour qu'on puisse incorporer des vidéos en même temps qu'on chatte ou pas. C'est que pour le moment, c'est compliqué. Moi, sur Facebook, moi, j'utilise pas. Hein, donc, de toute façon, donc, ça, c'est. Non, mais ici, nous, sur comment on le fait. Moi, j'ai pas de solution pour vous aider à distance. C'est pas possible. Hein, donc, tu sais. Et toi, ici, dans un chat comme aujourd'hui, on sait pas encore. Moi, ce que je proposerais plutôt, c'est que je vienne faire une vidéo avec vous sur comment faire un frottis. Mais la seule chose qu'il faut avoir, c'est un microscope avec une possibilité de sortir les images de ce dit microscope. C'est ça aussi le souci. Après, je t'avoue qu'on a des vidéos, hein, parce qu'on est on se positionne comme ça et on reste près de la lunette, on arrive à avoir quelques vidéos. Mais allez, si on veut le faire vraiment. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que si tu veux faire les frottis en live et montrer tous les parasites, faut que j'ai au moins un poisson qui a chaque parasite. Alors, je vais pas jeter les parasites dans mes bassins pour être sûr d'en avoir ce jour-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ben, ça, c'est clair. Bon, c'est toujours le même problème, hein. Et puis, de toute façon, bon, voilà. Après, comment est-ce qu'on réagit? Parce que ça, c'est quand on trouve un parasite bien déterminé, comme un Gyrodactylus ou un Dactylogyrus. Mais que se passe-t-il quand on a du costia, du gyro, du dactylo et une soupe de je sais pas encore tout quoi? Là, ça devient un peu plus compliqué à gérer. Là, ça devient un peu plus technique. Ouais. Et puis, on doit prioriser et en fonction de ce qu'on voit, on va donner les priorités. Alors, moi, je n'ai jamais voulu faire ça dans mon site internet et je vais donner la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu le faire. C'est parce que déjà, la plupart des gens ne connaissent pas le volume de leur bassin. Donc c'est très difficile. Alors après, si on fait un frottis, on montre qu'est-ce que c'est un gyro, et on montre, voilà, et dans ces cas-là, il faut faire ça comme traitement.
et que s'ils appliquent mal les consignes et qu'ils ne savent pas le volume de leur bassin, ils ont plus de chances de flinguer leurs poissons plutôt que les girons. Hein. Donc, et ça, c'est un gros problème. Bien souvent, il y a aussi des traitements qui fonctionnent différemment en fonction de la température de l'eau, en fonction du pH, en fonction du KH, forcément. Donc, tout ça, ça devient très délicat, parce que la plupart font beaucoup de conneries. Hein. Des mecs que moi j'ai vus, moi j'ai un bassin de 100 millilitres, et quand je les vois, il ne fait pas 10 millilitres, hein, machin. Donc, dans une dose, tu prescris quelque chose, et ben, tu pètes tout. Et alors, ce sera la faute de qui? Ben, ce sera la faute de celui-là qui a fait la vidéo, ou celui-là qui l'a remarqué dans son site internet. Parce qu'évidemment, ceux qui font des conneries, ça c'est forcément pas de leur faute, c'est la faute des autres. Toujours. Donc, moi j'ai dit, niet. Montrer comment on fait un frottis, oui, ça ne porte pas à conséquence. Montrer éventuellement un parasite, oui, ça ne porte pas à conséquence. Donner les traitements qu'ils font avec, non, parce que là, ça porte à conséquence. Parce que les gens ne savent pas faire, ils ne savent pas faire une règle de trois, ils ne savent, connaissent pas le volume de leur bassin. Ouais, mais bon, et... après... Non, il n'y a pas de moment après, je t'assure, si vous le faites, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Je dis ça gentiment non, à tout le monde, mais moi je ne le ferai pas parce que j'ai trop d'histoires avec ça et je ne veux plus me mouiller là-dedans, ça c'est clair et net. Et si vous le faites, vous allez vous en prendre plein la gueule parce que quand il y en a qui feront des conneries, ça sera forcément de votre faute. Vous êtes prévenu gentiment, mais c'est comme ça. En tous les cas, j'ai été vraiment très attristé aujourd'hui de constater avec la plus grande stupéfaction que tu es parti sous des boissons aqueuses que je ne nommerai pas pour ne pas déstabiliser les autres gens. Et que bon, ton taux d'alcool est en train de diminuer fortement dans tes veines, ce qui pourrait poser des problèmes rénaux et autres. N'abuse quand même pas trop hein, de ces produits aqueux, sans quoi hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors bon, ben écoutez les gars, moi je vous dis merci à vous. On espère que ce confinement prendra vite fin. Et on avait plein de projets en fait pour montrer un tas de choses avec Japan Koi, et puis tout ça a avorté évidemment vu les circonstances. Mais bon, ces projets ne sont pas abandonnés pour autant. Hein. Donc, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Mais bon, il faut attendre que ça se passe, comme on dit. Hein. Clair. Et puis voilà, nous, de notre côté, les installations, ben, voilà, vous avez pu le voir dans différentes vidéos sur notre page Facebook. Ça a avancé beaucoup. Voilà, on est un peu contraint de mettre sur pause. Après, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pour tout le monde. Il faut la santé d'abord, il faut qu'on passe tous ensemble cette étape-là, et puis c'est pour mieux se retrouver après. Et voilà, en attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur notre tout nouveau petit shop, là, www.japan-koi-shop.com, et évidemment, ben, à nous suivre par Facebook. Comme ça, vous pouvez participer à nos petites vidéos, à nos petites distractions pour vous en ces temps un peu compliqués. C'est ça. Eh bien, moi, je vous dis, en tous les cas, merde pour la suite. Hein. Il y a pas de problème avec ça. Nous, on se revoit sans doute très, très bientôt. Si ça devrait se prolonger, bon, on a encore l'occasion d'en faire un. Hein. Il n'y a pas de problème. Oui, pour répondre à vos questions. Il y a encore des questions. Ben, oui, ben, entre-temps, il y aura d'autres invités qui répondront aussi à d'autres questions. Il n'y a pas de problème. Hein, on essaiera de faire un peu le tour des magasins pour ceux qui veulent participer, bien sûr. Hein. Et puis, moi, je vous dis une très, très bonne soirée. Encore merci à vous pour cette prestation. Et je vous dis merde pour la suite. Voilà, donc, une émission qui se termine ici, eh bien, dans la bonne humeur. Hein, avec Japan Koi, c'est pas trop étonnant. Je voulais vous montrer quelque chose de supplémentaire si je retrouve... Et bon, ça va pas être simple. Où est-ce que j'étais mettre ça? Je ne retrouve pas. Je suis désolé. J'avais évidemment là. Peut-être que j'ai mis ça ici. J'ai perdu la caméra. Voilà. Donc, je vais vous montrer ceci. Voilà. C'est en fait le petit schéma qui a été mis à jour. Hein, je ne me souviens plus du nom. Donc, ici, maintenant, on arrive à une solution qui devient équilibrée, donc le schéma de la filtration, hein, donc qui a tenu compte, qui a été corrigé pour tenir compte des remarques qu'on avait faites. Il restera une seule remarque à faire par rapport à ce schéma.
En fait, je dois essayer de retrouver la souris, la bonne souris. Il faut savoir que je suis occupé ici avec quatre ordinateurs simultanément. Donc, si vous voyez ici, donc on a un filtre à brosse actuellement. Et si on change ce filtre à brosse en mettant un tambour, il faut créer un bypass, par exemple, pas avec ce tuyau-là, mais par exemple avec ce tuyau-ci, un bypass qui rentre directement dans les tapis japonais, hein, qui permet de court-circuiter, sur chaque ligne évidemment, qui permet de court-circuiter le tambour, au cas où le tambour ne viendrait plus à fonctionner, ça c'est une certitude, mais aussi pour pouvoir justement alimenter les cuves en saleté, parce que les tapis japonais ont besoin de temps en temps de matière solide pour bien fonctionner. Donc un filtre à tambour, filtre vraiment très fin. Donc ça crée des instabilités au niveau du fonctionnement du dit filtre. Voilà, moi je vous dis, je ne sais pas quand, vous suivez un petit peu sur Facebook et tout le reste, ce qui se passe, et on se tient au courant quand il y aura le prochain live. Il me reste encore donner une idée de lecture ici. On était 758 à suivre cette émission. Donc, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. Hein, ça vous permettra d'être rapidement informé de ce qui se passe. Et puis, moi, il me reste à vous dire à très très bientôt. Et surtout, en attendant, ne soyez pas sages. Salut à tous !